こんにちは。あ、一人ぼっち寂しいの？Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la tribune par excellence où nous célébrons le festin intellectuel, où nous essayons de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance et qui participent à cet exercice intellectuel. Mesdames et messieurs, vu que nous sommes en semaine et que le travail nous appelle, on va tomber directement dans les différents sujets. Le premier sujet de la journée, Burkina Faso, sans visa ou permis de séjour, impossible d'entrer sur la terre des hommes intègres. Désormais, c'est chose faite. On apprend d'ici info que Ibrahim Traoré vient de décider qu'il ne sera plus possible de venir yada yada et de sortir yada yada du pays des hommes intègres. Tout sera contrôlé à partir de maintenant, indique-t-il. Pour des raisons de sécurité, désormais, Ibrahim Traoré exige à tout étranger entrant sur le territoire burkinabé de se présenter avec des documents valides, y compris un visa ou un permis de séjour, et qu'il déclare tout changement de résidence sous peine d'emprisonnement de 6 à 12 mois et d'une amende allant de 300 000 à 600 000 francs CFA. Après l'exécution de sa peine, l'étranger est reconduit à la frontière par les services de police. 69 députés présents à l'Assemblée législative de transition ont voté à l'unanimité en faveur du projet de loi hier jeudi 22 février 2024, comme constaté par ici-info.com sur place. Et donc, mesdames et messieurs, ce que l'article nous dit, c'est qu'actuellement, l'Assemblée nationale burkinabé est constituée de 69 députés. Et donc, hier, ils se sont réunis, ils disent qu'ils ont voté une loi, et cette loi-là interdit à tout étranger de rentrer au Burkina. Si tu es étranger, ça veut dire que tu n'es pas burkinabé, tu veux rentrer au Burkina, il faut que tu partes te déclarer et en te déclarant, il faut avoir soit un visa ou bien il faut avoir une carte de séjour. Et donc, si d'aventure tu n'as pas cela et que eux t'attrapent, automatiquement, on va te mettre en prison pour 6 à 12 mois. Tu vas payer une amende de 300 000 francs à 600 000 francs CFA. Et les étrangers qui vivent là-bas, si par exemple tu quittes une maison pour déménager dans un quartier, tu dois aussi déclarer cela. Et donc, hier, 22 février 2024, ils disent avoir voté cette loi.
Et ce qui est intéressant, c'est que eux qui veulent sortir de la CEDEAO, de Yao, ils veulent toujours utiliser le franc CFA, puisqu'il dit que le montant des amendes seront payées en franc CFA, comme le dit l'article. Maintenant, revenons même au corps du sujet. Est-ce que c'est une décision sérieuse? Pas du tout. Est-ce que c'est une décision qui tienne? Pas du tout. Parce que tant que d'abord ils sont dans la CEDEAO, ils ne peuvent pas imposer des visas à qui que ce soit dans la circulation. Et donc, en réalité, c'est du vuvuzela pour exister sur la scène pour qu'on parle d'eux. Mais en réalité, c'est une posture vide. Il n'y a rien là-dedans à retenir parce que ce n'est pas tenable. Et pourquoi cette loi, si elle a été votée vraiment, pourquoi elle a été votée? Ça a été voté simplement en pensant faire du mal aux Ivoiriens. Mais Ibrahim, supposons même que cette loi-là soit vraie et que tu puisses la mettre en pratique. Parce que la réalité même, c'est que tu ne peux pas mettre ça en pratique. Donc là, c'est du faux et c'est une perte de temps pour les Burkinabés. C'est une loi caduque, c'est une loi mort-née avant même que vous n'alliez la voter. En réalité, tout ça, c'est fait pour que les gens se disent non, on ne va pas mettre des pressions sur vous. Mais soyez sérieux. Vous n'allez pas échapper à votre destin. Et donc, maintenant, laissons le monde réel. Allons maintenant dans le monde irréel. Et dans ce monde irréel, allons sur le schéma que cette loi qu'ils ont votée là, ils vont l'appliquer. Et donc, si vraiment ils doivent appliquer cette loi-là, normalement, tous les Ivoiriens, parce que cette loi, il faut la dire aux uns aux autres, elle a été votée contre les Ivoiriens qui vivent au Burkina. Ça, au moins, ayons le courage de prendre les choses comme ça. Je dis, si on rentre dans le monde irréel et qu'on suppose que ce qu'il dit là, ça peut se faire, sinon ça ne peut jamais se faire. En ce moment, cette loi-là a été votée donc contre les Ivoiriens. Parce qu'il y a des mercenaires burkinabés, parce qu'il y a des dangereux djihadistes burkinabés qu'on a attrapés, raflés. Cela étant pris dans les liens, parce qu'on va présenter ça aux Nations Unies. Ce que vous faites là, on va présenter ça à toutes les institutions internationales. Et donc, pour eux, il faut essayer de se cacher pour retransformer le problème, pour qu'on dise non, c'est une crise politique entre les deux pays qui refoule les... Non, 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 ce n'est pas ça. Il faut sortir pour dire, est-ce qu'on n'a pas attrapé des mercenaires burkinabés, des djihadistes que vous avez infiltrés dans le pays? C'est ça la réalité. Depuis combien d'années le président Ouattara est au pouvoir, il n'a jamais fait de rafle, il n'a jamais fait de contrôle d'identité. Et donc, si on fait des rafles et des contrôles d'identité là, c'est parce qu'on a toutes les raisons et on a toutes les évidences qu'il y a des individus dangereux qui ont été expressément infiltrés en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité qui est là. Et donc, pour distraire l'opinion internationale, pour dire non, il y a une crise entre la Côte d'Ivoire, ils sont en train de rapatrier les différentes populations, il allait prendre cette loi-là en pensant que ça va nous effrayer. Maintenant, ce que moi j'ai dit là, supposons que ça puisse se faire. Ibrahim Traoré, la meilleure manière d'appliquer cette loi-là, tous les Ivoiriens qui sont au Burkina, là, il faut les prendre, tu les chasses. Ah oui, parce que moi je suis tellement heureux que cette loi-là, que ça puisse s'appliquer. Tous les Ivoiriens qui sont au Burkina là, il faut les prendre, qu'ils aient carte de séjour, titre de tout ce que tu veux là, même s'ils ont une carte de prendre assurance mort là, il faut les prendre, tu les mets à la frontière, comme de la manière nous on prend vos djihadistes pour les mettre à la frontière. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Si tu as les couilles comme il se doit là, et que tu es sûr de ce que tu fais là, prends les Ivoiriens là, et puis là, tu les prends en cargo là, et puis tu les mets à la frontière, comme de la manière on a pris vos mercenaires là. Et puis comme de la manière on fait les rafles là. Il faut rafler les Ivoiriens, puis les ramener à la frontière. Là, comme ça, on va savoir que vraiment, et donc, comme ça, on va savoir que vraiment tu es très énervé. Et comme ça, on va voir que la loi, là, tu appliques. Et donc, en réalité, c'est une perte de temps. Un individu désespéré qui pense que sa turpitude, ses inepties, on va faire avec. Et donc, on t'attend. Pour que cette loi-là s'applique, là, il faut l'appliquer. Nous-mêmes, les Ivoiriens, nous sommes demandeurs. Nous disons, il faut l'appliquer aux Ivoiriens qui sont au Burkina Faso. Il faut les chasser. Chers Burkinabés, les Ivoiriens qui vivent au Burkina Faso,
chassez-les, comme de la manière dont on chasse les Burkinabés. Mais c'est là, là, on va vous faire lire. Là. C'est là, là, vous allez connaître l'Ivoirien. Et j'ai dit, Dieu merci, cette loi est une bénédiction parce que ça va faciliter la tâche aux Ivoiriens et aux autorités ivoiriennes de faire ce qu'on avait toujours envie de faire. Aujourd'hui, notre envie, l'envie qui brûle en nous, là, c'est de chasser tous les Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Ça, on ne va pas vous mentir. Hein. Et déjà, les rafles, là, bien avant, je vous avais averti, mais ça va s'intensifier. Et on va rapatrier vos ressortissants. C'est nous, on vous dit ça. C'est qu'on dit l'enfer. Mais vous, vous parlez. Ah non, on va calmer, on va bloquer les céréales, on va faire ceci. Nous, on n'est pas dans on va. Nous, on fait. Et puis tout le monde voit. Et on vous demande là, si vous êtes garçon comme nous les Ivoiriens là, si vous êtes garçon comme Alassane Ouattara là, faites la même chose comme lui. Prenez ces fruits pourris là et puis les mettre à la frontière là. On demande aussi que vous mettez tous les Ivoiriens à la porte. Et c'est là que vous allez voir que la bénédiction pour la Côte d'Ivoire, on va vider la Côte d'Ivoire de toute sa racaille. On va vider la Côte d'Ivoire de tout ce pourri de la sous-région qui venait pour ne faire que le vol et commettre des activités illégales en Côte d'Ivoire. C'est qui occupe aujourd'hui le secteur de l'orpaillage clandestin? 90% sont des Burkinabés. Et ça va nous permettre de vous chasser définitivement et de vous faire rentrer dans votre Burkina. Et lorsque tu auras fait ça, prends le soin de militariser ta frontière et de mettre un mur entre toi et la Côte d'Ivoire. Comme ça, on saura que tu es vraiment sérieux. Et donc, à bon entendeur, salut. Et c'est tellement pour te dire qu'on est sérieux là. Avant-hier, je vous avais dit qu'il y avait des rafles à Gagnoua. Les rafles ont bel et bien eu lieu le 17 février 2024 à Gagnoua, dans le quartier Guissio. Au niveau du corridor sur l'axe qui mène à Soubré, des forces de l'ordre y ont fait une descente dans le cadre d'une rafle au cours de laquelle plusieurs personnes ont été interpellées. L'information a bel et bien été confirmée par une source sécuritaire à Gagnoua, joint par informateur.ci, et qui n'a pas souhaité être citée, tout comme elle n'a pas voulu préciser le nombre de personnes interpellées dans le cadre de cette rafle. Précisant toutefois qu'il s'agit d'une opération normale qui n'est pas circonscrite à la seule ville de Gagnoua. Et donc, le 17 mars 2024, il y a eu bel et bien des rafles à Gagnoua, au quartier Guissio, près du corridor pour aller à Soubré. Et effectivement, ces rafles-là, comme je le dis toujours, les gens n'écoutent pas. Je dis que ça ne fait que commencer. Ça sera partout et ça va s'intensifier. Et toute la racaille qui s'est infiltrée là, on va les dénicher et les mettre aux frontières. Et donc, selon M. Bamogo, délégué consulaire burkinabé à Gagnoua, si la rafle est avérée, il n'est cependant pas juste de dire qu'il s'agit exclusivement de Burkinabés. Il n'y a pas que des Burkinabés qui ont été arrêtés. Le délégué consulaire a également ajouté avoir appris que ceux qui ne disposaient pas de documents d'identité ont déjà été transférés à Abidjan. Si c'est vrai, je trouve cela un peu curieux que le transfert se fasse un dimanche au lieu d'un jour ouvré, s'est-il insurgé. En tout état de cause, l'auxiliaire du consul général du Burkina Faso à Gagnoua a promis aller aux nouvelles dès le lendemain lundi auprès des autorités militaires de la région et s'il le faut, il se rendra à Abidjan pour comprendre le sort de ses compatriotes interpellés. Les rafles, faut-il le préciser, sont des opérations policières d'interpellation et d'arrestation de masse de personnes prises au hasard sur la voie publique ou visant une population particulière. Elles répondent généralement à des besoins sécuritaires. Vous avez bien entendu l'article. Les rafles, là, chaque fois que vous voyez qu'on fait rafle, là, c'est des personnes qu'on cible. Mais non, moi, je ne vais pas être là pour mentir à quelqu'un. Hein. Je vais dire les choses et les appeler par leur nom. Chaque fois qu'on fait rafle, là, soit on est contre les vendeurs de drogue. Quand on fait les opérations impérielles, on va contre qui? On va contre les vendeurs de drogue. Les opérations sécuritaires qu'on mène actuellement, là, on les mène parce qu'il y a des djihadistes, il y a des malfaiteurs que le régime du Mali et du Burkina, surtout le Burkina, a infiltré en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit et je le redis. Et donc là, on est en train de tamiser le pays. Et donc la majorité, ce sont des Burkinabés. Et c'est pourquoi depuis très longtemps, les régions où ils se sont incrustés là, on est en train de les traquer. Et ça ne fera que s'augmenter.
Et donc, regardez comment quelqu'un te prend dans raf. Tu n'as pas d'identité. On te dit, il faut prouver ton identité. Tu n'arrives pas à prouver ton identité. Il y a des services de renseignement du Burkina qui ont été attrapés dans ces rafles-là. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Et donc là, on va intensifier ces rapports-là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pour les plus indélicats, ils ont été conduits à Abidjan. Toi, tu es dans une région, on t'attrape dans RAF. Contrôle d'identité là. Si quelqu'un confirme qu'il te connaît et cette personne-là peut laisser ton identité, normalement, on peut te laisser. Mais ceux qui ont été attrapés et puis qui ont été transférés à Abidjan là, il n'y a personne qui les connaît. À Guissio là, il n'y a personne qui les connaît. Donc, comment toi, tu peux venir dans un coin, personne ne te connaît, ni dans ta communauté, ni dans le pays. Tu es un individu suspect. C'est pourquoi on les envoie à Abidjan. Donc là, si l'auxiliaire du concile est un vrai garçon, il n'a qu'à aller à Abidjan, on va leur dire leur vrai nom. On va leur dire leur vrai nom. La Côte d'Ivoire n'est pas un passoire, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays banabana où vous allez rentrer yada yada et puis sortir yada yada. Nous, on ne parle pas beaucoup, mais nous, on pose des actes concrets. Et donc là, pour tous ceux qui sont là, quand on leur dit des paroles, ils sont là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes dans les actions. Et comme je l'ai dit, fasse Dieu que... Et il y a certains qui ont été arrêtés, qui n'avaient pas leurs identités. Pour certains, c'est ce que je vous avais dit depuis les périodes de la CAN. Sortir sans vos pièces d'identité actuellement, si on vous attrape là, on va vous transférer quelque part d'abord avant de chercher à savoir qui vous êtes. Vous avez vu l'exemple, non? Je vous avais averti, non? Et ça va s'intensifier. Et donc là, tant que vous avez décidé d'être des exportateurs de djihadistes dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on va être maintenant très ferme avec vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va nettoyer notre pays en vous chassant. Et puis, en rendant notre pays propre, les voleurs, les violeurs, là, vous allez rester au Burkina là-bas. Et on va imposer, ce que tu as dit, 300 000 francs, mais 600 000 là. Nous, on va imposer 4 de séjour au Burkinabé, 1 500 000 par personne. 1 500 000 par personne. Si vous êtes garçon, Ibrahim Traoré, la gueule déchirée, fendue là, si tu es un vrai garçon, que tu es sûr de toi là, cette loi là, il faut commencer en chassant les Burkinabés, les Ivoiriens qui sont au Burkina. Il faut les rapatrier. Si on voit seulement un premier contingent d'Ivoiriens rapatriés là, mais nous-mêmes les populations là, on va rapatrier les Bouki. Le gouvernement n'aura plus rien. Il y a des pays là, on va gâter. Pays qui a Côte d'Ivoire là. Nous, on va prendre nos responsabilités, on va rentrer chez les Burkinabés là. Leur dit de prendre leur bagage. De la manière, ils sont venus les mains vides là. On va les expédier par millions. Les 6 millions, mais les 10 millions de Burkinabés là. Sans distinction là, on va les rapatrier pour les mettre à la frontière. Ça sera le plus grand mouvement humain qu'on n'aura jamais vu au 21e siècle. Si ce que j'ai dit est faux, mais si c'est vrai là, c'est que le gouvernement sera dans la contrainte de combattre les Ivoiriens qui vont prendre leurs responsabilités en chassant les Burkinabés, qu'ils soient dans les brousses ou dans les villes, sans distinction. Il y a combien d'Ivoiriens même au Burkina? Allons au fait. S'il y a trop d'Ivoiriens au Burkina, ça ne dépasse pas 1 million. Donc là, on sait qui va perdre. Et comme tu as juré que la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara sont tes ennemis, il faut les humilier. Nous aussi, on ne va pas hésiter à détruire la vie des 6 ou 10 millions de Burkinabés en les chassant et en les mettant hors des frontières ivoiriennes. Et donc, dès aujourd'hui, c'est hier, vous avez voté la loi, là. Donc, dès aujourd'hui, vendredi, là, on s'attend à ce que vous commencez à rapatrier les Ivoiriens, comme de la manière dont on rapatrie les mécréants que vous avez fait rentrer pour éventrer la Côte d'Ivoire. On ne va jamais s'asseoir pour mettre la sécurité des Ivoiriens en danger parce qu'un idiot, un malade comme toi est en train de faire sa fanfaronnade. Ça ne va pas prospérer avec Alassane Ouattara. Entre temps que vous êtes en train d'être des pays de la misère et de la honte, la Côte d'Ivoire est devenue le deuxième pays, sinon la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Vous bavardez, vous êtes dans vos turpitudes, dans vos bêtises. La Côte d'Ivoire est devenue deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Selon des informations de Sika Finance, qui cite le Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire est devenue la deuxième économie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire la deuxième économie de la CEDEAO, là. C'est la Côte d'Ivoire maintenant. Et donc là, on a supporté vos pauvretés, votre misère pendant trop longtemps. Et imaginez-vous qu'on puisse chasser tous les Burkinabés, les Maliens de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont tellement vivre bien à l'aise. On va reprendre nos commerces et toutes les activités. Notre pays sera assaini. Imaginez-vous que notre population soit extirpée, que cette gangrène-là de 6 millions, mais de 10 millions de désœuvrés, de malheureux, de misérables soit extirpée de la Côte d'Ivoire.
ça va permettre à nos écoles de respirer. Ça va permettre à nos forêts de respirer. Ça va permettre à nos hôpitaux de respirer. Ça va permettre à nos frères ivoiriens qui n'ont pas du travail de reprendre les business. Et aujourd'hui, on n'a plus honte de dire ce qu'on va faire. On n'a plus envie de vous. On n'a vraiment plus du tout envie de vous. Vous les Nigériens, vous les Maliens, vous les Burkinabés, on n'a plus envie de vous. Et l'Ivoirien d'abord se préfère. Et donc, le pays du président Alassane Ouattara chip cette deuxième place au Ghana grâce à ses performances, avec notamment un produit intérieur brut nominal de 79,43 milliards de dollars en fin 2023. Le Nigeria reste la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le Ghana qui était la deuxième puissance économique mondiale, de l'Ouest africaine, de la CEDEAO. Mais quand on a fait les calculs en fin 2023, la Côte d'Ivoire a arraché la place de deuxième au Ghana avec un PIB de 79,43 milliards de dollars américains. C'est ce qui a donc fait que la Côte d'Ivoire, après le Nigeria, est le deuxième pays le plus riche de la CEDEAO. Identifié par la Banque africaine de développement, dans son récent rapport sur les perspectives économiques en Afrique, comme faisant partie des 15 économies les plus performantes de l'Afrique, avec une croissance économique de 6,5% en 2023, la Côte d'Ivoire prend du galon dans le panorama des économies du continent, en particulier au sein de la CEDEAO. Et donc, la première information que je vous avais donnée, en disant que la Côte d'Ivoire est devenue la deuxième économie de la CEDEAO, c'est le FMI qui avait fait ses études et qui avait donné ses renseignements. Et c'est le journal en ligne Sika Finance qui avait dit ça. Maintenant, il y a un autre organisme qu'on appelle la BAD, la Banque africaine de développement. Cette banque aussi a fait son travail. Et quand elle a fini, elle dit que la Côte d'Ivoire, quand on prend les 54 pays de l'Afrique, là, la Côte d'Ivoire fait partie des 15 pays dont l'économie est la plus forte et la plus résiliente. Et donc, pour preuve, ils disent que parmi ces 15 économies les plus fortes et les plus résilientes, la Côte d'Ivoire maintient un taux de croissance économique de 6,5% en 2023. En effet, selon les données officielles consultées par Sika Finance, la Côte d'Ivoire a réalisé un produit intérieur brut nominal de 79,43 milliards de dollars en 2023, une performance qui lui permet de raviver la deuxième place la plus importante économique de l'Afrique de l'Ouest au détriment du Ghana et derrière le géant Nigeria, dont le niveau du PIB s'est établi à 390 milliards de dollars. Et donc, le Ghana devient troisième parce que la Côte d'Ivoire a arraché la place de pays le plus puissant économiquement après le Nigeria. Et le Nigeria a un produit brut nominal de 390 milliards de dollars. Le PIB nominal ghanéen s'est accru de 6%. Et l'article nous dit, cependant, ce n'est pas parce que le Ghana a perdu sa deuxième place, ce n'est pas parce que l'économie du Ghana est allée en bas. Sinon, actuellement même, le PIB du Ghana a augmenté de 6% pour atteindre 76,63%. Et donc, ça veut dire que le fait que la Côte d'Ivoire ait dépassé le Ghana là, ça ne veut pas dire simplement qu'on a dépassé le Ghana parce que le Ghana, le PIB est tombé. Le PIB du Ghana a augmenté, mais nous, on était derrière le Ghana. On est venu, on a dépassé le Ghana, on les a atteints d'abord, on les a dépassés dans leur... Malgré qu'ils se sont... y a eu croissance là, on les a dépassés dans la croissance. Donc, si on veut regarder là, ça veut dire qu'on a dépassé le Ghana trois fois. On les a dépassés parce qu'on était derrière eux. Donc, il fallait d'abord les atteindre. Donc, quand tu es derrière quelqu'un et puis tu atteins la personne, ça veut dire que toi, tu as gagné. Deuxièmement, quand tu es au même niveau que la personne, que tu dépasses la personne, ça veut dire que tu es devant la personne. Mais quand après encore, tu es devant la personne, mais la personne a augmenté, ça veut dire le fait que la personne a augmenté là, il a fallu encore que tu doubles encore ta vitesse pour pouvoir la dépasser. Et donc là, on vient de dépasser le Ghana trois fois. C'est ce qui fait qu'on a donc un PIB brut nominal de 79,43 milliards et le Ghana se retrouve avec 76,63 milliards. Le PIB nominal ghanéen qui s'est accru de 6%, à savoir 76,3 milliards de dollars, n'aura pas été suffisant pour compenser la hausse de 13,2% au niveau de la production ivoirienne. La Côte d'Ivoire récolte ainsi les lauriers d'une stratégie d'investissement massif, principalement dans les infrastructures et l'énergie, mise en œuvre par les autorités depuis 2012. Mais on dit comment et pourquoi la Côte d'Ivoire a pu faire cela pour dépasser le Ghana?
C'est simplement parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup investi dans les infrastructures, les ponts, les routes, tout ce que vous voyez là. Ça a ouvert le pays, ça a facilité le commerce, ça a facilité le déplacement des personnes, ça a facilité les activités, le mouvement des produits. Et quand c'est comme ça, les gens dépensent plus. Quand c'est comme ça, les activités vont vite. Et quand c'est comme ça, les choses rapportent. Mais en plus de cela, la Côte d'Ivoire a investi dans l'énergie. Aujourd'hui, nous vendons l'électricité au Ghana, au Libéria, à la Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso. Et je crois encore qu'il y a un autre sixième pays que j'oublie. Et donc, tout ça, ça a permis à la Côte d'Ivoire de devenir plus puissante et plus performante en termes économiques. Ces investissements ont permis d'asseoir une trajectoire de croissance robuste avec un taux de croissance moyen annuel de 7% depuis lors. À l'exception de 2020, où la croissance a ralenti à 2% du fait de la crise sanitaire. Et donc, depuis 2012, avec tous les investissements qui ont été faits, la croissance économique de la Côte d'Ivoire n'est jamais descendue en dessous de 6%. Mais le plus intéressant, c'est que c'est seulement en 2020, à cause du coronavirus, et la Sierra Leone, comme quelqu'un l'avait dit, qu'on a vu l'économie de la Côte d'Ivoire descendre avec un taux de croissance de 2%, parce que simplement le coronavirus avait paralysé toute l'économie mondiale, où toutes les économies étaient à terre. La Côte d'Ivoire était l'un des rares pays dans le monde qui disait « Nous, on n'a pas connu un taux négatif, mais plutôt on a connu un taux de 2%. » Donc, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, le taux de croissance le plus bas, c'est 2%. Alors que quand il a pris le pays entre les mains de Laurent Gbagbo, notre taux de croissance était à moins 6%. Et la Côte d'Ivoire était classée pays pauvre, très endetté, PPTE. En revanche, le Ghana fait face à des défis économiques actuels, notamment une gestion complexe de sa dette publique qui a atteint 71,2% du PIB à la fin 2022. Cette situation conduit le Ghana à négocier en mai 2023 un accord de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international dans le but de restructurer sa dette. Il dit aussi ce qui a fait que le Ghana ne s'en sort pas, c'est que l'autorité ghanéenne, là, l'État ghanéen, là, il y a trop de dettes sur eux. Il y a trop de dettes sur eux. Actuellement, là, la dette publique a atteint 71,2% du PIB du Ghana en 2022. C'est quand tu mets toute la richesse du Ghana ensemble, là. 71,2%, c'est de la dette déjà. Et le Ghana est tellement endetté qu'en 2023, en mai 2023, ils ont cherché à négocier pour avoir un prêt de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, ils veulent prendre ça pour essayer d'arranger leurs dettes pour pouvoir payer certaines dettes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette dette-là, dès que le FMI a voulu dire d'accord, les Chinois ont rappelé au FMI qu'ils ont une dette de 2 milliards sur le Ghana et qu'eux veulent prendre 2 milliards directement. Et donc, ça n'allait pas arranger les Ghanéens et le FMI a bloqué le projet. Le Sénégal et la Guinée, avec des PIB respectifs de 31,14 milliards et 23,2 milliards de dollars en 2023, complètent le top 5 des économies les plus importantes de la CEDEAO. Et donc, voyez-vous, les pays qui sont colonisés par la France s'en sortent bien. Et ceux qui sont les moutons de la France, ce sont ces pays-là qui s'en sortent bien. Maintenant, ceux qui sont les singes arrangés, comme le Mali, le Burkina, eux, ils ne sont même pas dans ça. Eux, on les cite dans le classement des pays pauvres, des pays misérables, des pays voilà, que vous connaissez. Et donc, le Sénégal vient après la Côte d'Ivoire avec 31,14% et la Guinée-Conakry vient avec 23,2 milliards de dollars en 2023 pour compléter la liste des top 5. Maintenant, avec ce rythme de croissance, la Côte d'Ivoire, désormais classée comme deuxième pays le plus prospère d'Afrique, devrait peser 100 milliards de dollars de PIB d'ici 2026, selon les projections du FMI. Cette performance la positionnera parmi les 8 économies les plus importantes du continent. Et donc, si la Côte d'Ivoire demeure dans cette optique-là, en 2026, ça veut dire dès qu'on va finir les élections-là, on aura un PIB qui sera au-delà de 100 milliards de dollars d'ici 2026. Et avec cette performance-là, on ne parlera plus que de la CEDEAO, on parlera même des économies les plus puissantes de l'Afrique et on citera la Côte d'Ivoire comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, etc. C'est de cela qu'il est question. Et nous, on dit non-ivoiriens, là, nous, on préfère ça, quel que soit le nom que vous allez nous donner là.
Nous, on préfère aller de l'avant, progresser, développer notre pays, plutôt que d'être dans la fanfaronnade pour dire qu'on est en train de lutter contre des impérialistes qu'on ne voit pas. Et chaque jour, en train de pleurnicher, on n'a pas courant, on n'a pas l'eau. C'est cette prospérité de la Côte d'Ivoire là qui vous fait mal. Au lieu de chercher à savoir comment les Ivoiriens font, vous pensez que c'est en jouant les faux héros, en jouant les malhonnêtes, que vous allez impressionner les Ivoiriens. Donc, Ibrahim Traoré, la loi que tu as eu à voter hier, là, il faut déjà rapatrier les Ivoiriens parce que les Ivoiriens qui sont là-bas, là, ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas de carte de séjour. Et nous, les Ivoiriens, on te demande, il faut commencer par rapatrier les Ivoiriens qui sont au Burkina Faso. Si tu es vraiment garçon, que tes testicules ont rempli tes deux mains, là, vous m'excuserez du thème, il faut rapatrier les Ivoiriens, là, parce que cette loi-là, c'est contre les Ivoiriens. Et donc, là, nous, on n'a pas peur de ça. Mais nous, actuellement, là, on a commencé déjà à rapatrier vos moutons et vos boucs avec vos ânes puants du Burkina Faso et du Mali. Et donc, avec vos lamentins baveux du Sahel. Et donc, on attend à ce que vous fassiez la même chose. Et là, on va savoir que maintenant, il y a un rapport. Parce que ça va tellement nous arranger. Nous-mêmes, les populations, là, ça va nous donner un quitus pour vous faire sortir. Parce qu'on va vous tirer pour vous mettre au bord de la route, pour vous rentrer chez vous. Ce n'est pas l'autorité ivoirienne qui va s'occuper de ça. Voilà des malheureux qui commencent des choses et qui savent qu'ils ne peuvent même pas terminer. Il faut nous donner le nom de quelque chose que vous avez commencé et puis vous avez fait. Depuis que ces djihadistes sont venus à la tête de leur pays, là, vous avez dit que vous allez libérer vos pays du djihadisme. Vous n'avez pas été capable. Vous avez dit que vous allez libérer vos pays de la faim. Vous n'avez pas été capable. Vous commandez la nourriture. Vous avez dit que vous allez avoir des centrales nucléaires pour donner l'électricité. Vous n'avez jamais été capable. Aujourd'hui, dans vos pays, vous n'avez jamais été capable de mettre même un mètre de goudron. Vous n'avez pas été capable d'augmenter même un hôpital. Mais forcément, le pays va tomber. Le pays va sombrer. Et chaque jour, c'est vous qui avez n'importe quoi à faire sortir aux gens. En tout cas, on te prend par tes mots et par les lois que vous avez signées. Une loi ne vaut que par son applicabilité. Une loi, là, ce qui fait qu'elle devienne loi, c'est quand on l'applique. Et on attend que tu appliques ça. Et nous, on te demande de ne même pas attendre un mois, deux mois. Il faut appliquer dès aujourd'hui, vendredi 23 février 2024. Mais tu vas comprendre dans les heures qui suivent ce que le gouvernement est en train de faire pour chercher qui est bon, qui est mauvais là. Nous, les populations ivoiriennes là, on va vous rapatrier. Ça veut dire qu'on va demander à chaque Ivoirien, ton voisin burkinabé malien là, allez chez eux là, dites-leur de quitter notre pays. Ils n'ont qu'à prendre leurs objets, ils n'ont qu'à quitter notre pays. C'est nous que ça va arranger. Si ça ne va pas nous arranger là, mais c'est nous-mêmes on dit faites. Donc on sait. On va voir qui ça va arranger et qui ça va déranger. Et donc le sujet numéro 4, Guillaume Soro négocie son retour en Côte d'Ivoire. Depuis avant-hier, je suis en train de parler du sujet. Et quand mes sources m'ont informé, avant-hier j'en ai parlé brièvement et j'hésitais un peu. Et finalement, hier, j'ai vu ça dans les médias. Et donc, la source avait bien dit la vérité. Les tensions entre Guillaume Soro et le pouvoir d'Abidjan en Côte d'Ivoire semblent s'atténuer, selon des informations exclusives du quotidien L'Inter. Et donc, on dit qu'il y a un journal en Côte d'Ivoire qui s'appelle L'Inter. Selon ce journal-là, on dit les mésententes qui sont entre Alassane Ouattara et Soro Guillaume. On dit que ces mésententes-là sont en train de diminuer. Les discussions sont en cours entre Soro Guillaume, actuellement en exil, et les autorités ivoiriennes. Et qu'actuellement, il y a des discussions entre Soro Guillaume et puis les autorités ivoiriennes. Pour le moment, le cas délicat de Guillaume Soro est examiné par le président Ouattara. On dit que celui qui prend le cas de Soro Guillaume et qui l'examine pour étudier la question, c'est le président Alassane Ouattara lui-même qui évalue les conditions potentielles de son retour dans le pays où il a exercé en tant que Premier ministre entre le 11 avril 2011 et le 8 mars 2012. Et donc, c'est le président Ouattara même qui étudie ces conditions-là, la faisabilité et le comment du pourquoi. Une source proche de Soro Guillaume, cité par le journal L'Inter, confirme que des discussions entre Guillaume ont lieu et que les détails du retour de Guillaume Soro doivent être clarifiés. Cependant, du côté du pouvoir, la prudence est de mise. Une source proche du régime
Également cité par l'Inter, déclare: il est difficile de confirmer si ces discussions sont en cours. Ce qui est certain, c'est que tout Ivoirien n'est pas contraint à l'exil. Et ceux qui souhaitent revenir sont libres de le faire. Pour rappel, Soro Guillaume a été condamné à la prison à perpétuité par la justice ivoirienne en juin 2021 lors d'un procès par contumace. Ça veut dire un procès où il n'était pas physiquement présent. Lui et 19 de ses proches ont été condamnés et son mouvement politique, le GPS, Génération et Peuple Solidaire, a été dissous. Après environ 5 ans d'exil et son intention de retourner en Côte d'Ivoire, sa terre ancestrale et natale d'Afrique en Guillemets. C'est sur Opéra News que j'ai vu l'information. Et d'abord, il faut rappeler que Soro Guillaume n'est pas en exil. Soro Guillaume a délibérément décidé de quitter le fauteuil pour prendre son tabouret pour aller se promener. Et dans sa promenade, il a lancé des appels pour que des coups d'État soient faits contre le régime d'Abidjan. Il a lancé des appels pour essayer de déstabiliser l'armée de Côte d'Ivoire. Soro Guillaume s'est réjoui de la mort de nos soldats qui ont été tués dans le crash d'un hélicoptère. Soro Guillaume est celui-là qui avait fait infiltrer les commandants Fofana et autres pour essayer d'assassiner le président Ouattara. Soro Guillaume est celui-là qui a dit aux autres, c'est-à-dire le groupe des malfaiteurs de la Côte d'Ivoire, les Laurent Gbagbo, les Bédier, et vous entendrez Bédier lui-même le dire: c'est mon soldat. Ça veut dire, c'est quoi, on ne peut pas faire là? C'est lui qui va faire ça à Alassane Ouattara. Parce que Soro Guillaume leur a dit: Alassane Ouattara que vous voyez là, il n'a pas dit qu'il est du Nord. Moi aussi, Soro Guillaume là, je suis un fils du Nord. C'est fer qui coupe fer. Mais je vais lui montrer que je vais le faire asseoir par terre et puis le raser avec tesson de bouteille. Ah oui, Soro Guillaume a défié tous les pronostics du savoir-vivre de l'homme du Nord. Soro Guillaume a défié la bienséance. Il a payé des Congolais, il a payé des gens de l'Afrique centrale, il a payé des Burkinabés, il a payé des enfants d'immigrés comme les Maïmouna avec les Soules de Paris et l'amiral blindé pour insulter Alassane Ouattara. Nous, quand les gens écoutent cette histoire-là, les gens vont dire: mais de facto, vous êtes méchants. Comment vous pouvez libérer les Doboblés? Comment vous pouvez accepter ça? Et en même temps, Soro Guillaume, qui est du Nord comme Alassane Ouattara et qui a été un des vôtres, en même temps, vous ne voulez pas qu'il rentre. Et effectivement, pour quelqu'un qui veut utiliser son sens de la logique, de prime abord, la première impression, c'est que ça ne fait pas sens. Mais là où ça va faire sens, c'est le parcours de l'individu et sa capacité de nuisance. Quand tu viens à étudier cette question avec beaucoup de sérieux, tu te rends compte que tout ce qui se ressemble n'est pas forcément identique. Soro Guillaume que vous voyez là, la capacité de mal, pour lui aujourd'hui là, il n'y a rien qui peut le satisfaire tant que lui n'aura pas humilié le président Ouattara. Qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ça sera ça. Et donc, aujourd'hui là, même aujourd'hui, quand tu vois les gens sortir pour dire que les gens du Nord ne sont pas des Ivoiriens, ce sont les officines de Soro Guillaume qui sont à la base. Soro Guillaume a tellement mis la barre haute dans cette turpitude qu'il s'est dit que lui, c'est lui-même qui va se donner une place et qu'il n'y a personne qui va décider de la place où il doit être. Depuis que vous êtes là, est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'il n'y a pas de problème entre Laurent Gbagbo et puis Blaise Goudé? Tout le monde sait qu'il y a eu des problèmes depuis qu'ils sont en prison. Mais est-ce qu'un seul jour vous avez vu Blaise Goudé sortir pour prendre Laurent Gbagbo un à un, prendre ses parties et puis lui dire des choses que Soro Guillaume a faites? Et donc, nous on le dit, c'est clair, hein? Les gens peuvent négocier, peuvent discuter. Dans cette histoire politique, personne n'a obligé quelqu'un à venir. Moi je le dis et je le redis aujourd'hui. Le jour qu'ils vont finir de s'entendre et puis dire que Soro Guillaume vient là, chers élèves de la classe, ça sera le dernier jour pour moi de prendre la parole et de dire au revoir à chacun et de souhaiter bonne chance à la Côte d'Ivoire. Parce que nous autres qui parlons là, nous on a connu Soro Guillaume à Boaké. Soro Guillaume est quelqu'un qui ne pardonne jamais. Ah oui, il ne pardonne jamais. Donnez-moi un seul cas où Soro Guillaume a pardonné à quelqu'un.
Et donc, celui qui ne peut pas pardonner, est-ce qu'il a un droit qu'on puisse lui pardonner? Et Solo Guillaume règle toujours ses problèmes par la mort d'homme. Solo Guillaume règle toujours ses problèmes. Il y a notre mère Olivia Pope qui dit qu'il est mieux à l'intérieur. Mais quand Solo Guillaume, il est resté à l'intérieur en 2015 ou 2017 pour susciter le coup d'État à partir de Boaké. Et quand il va revenir là, c'est la même chose qu'il va faire. Ce qu'il n'a pas réussi, étant à l'extérieur, avec les forces nébuleuses de l'extérieur là, il veut venir simplement se rapprocher et faire les doux, comme un loup qui rentre dans la bergerie, et puis maintenant détruire et le cheptel et le berger pour une bonne fois. Mais c'est une attitude totalement normale. Quand tu n'as pas réussi à vaincre un ennemi à distance avec tes moyens extérieurs, la seule stratégie qui te reste, c'est le rapprochement pour essayer d'évaluer ce qui n'a pas marché et essayer de frapper subtilement. Et c'est dans cette posture-là que Solo Guillaume est aujourd'hui. Parce que c'est sur lui, tout ce que vous avez vu là, c'est sur lui que les Babos, les Simon, c'est-à-dire tout ce qui est capacité de mal là, c'est lui, c'est sur lui que eux tous comptaient. C'est sur lui que le Burkina, le Mali et autres comptent. Et vous avez vu récemment ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour déstabiliser la sous-région là, c'est lui qu'on prend comme la mascotte pour dire, vous, quand vous êtes devenu pays deuxième de la CEDEAO là, économiquement là, mais sachez que nous, on va prendre Solo Guillaume ici là pour détruire tout votre travail. Et Solo Guillaume est un individu qui ne prend aucune leçon de l'histoire. Quand on a mené une rébellion, quelles que soient les raisons qui ont motivé la rébellion, il faut savoir qu'il y a eu mort d'homme. On ne doit pas être la première personne à utiliser chaque fois le mal des Ivoiriens pour leur dire « Comptez sur moi, ce que je vous ai fait il y a 10 ans, c'est petit, je vais revenir encore et je vais faire ça et je vais faire pire. » Il faut être un masochiste pour aimer le mal et pour aimer tous les dégâts que la guerre a pu causer et chaque fois prendre cela comme un trophée de guerre pour le brandir devant la population. Et moi, je le dis et je le redis. Dans la vie, là, chacun a ses limites. Et chacun sait de quoi il est capable. Et chacun aussi sait de quoi il n'est pas capable. Et moi, je ne serais pas capable de continuer le combat si un jour le régime d'Abidjan s'entendait avec Solo Guillaume. Ça, je ne peux rien contre les événements. Si ça doit se faire, ça se fera. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Solo Guillaume de sortir. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Solo Guillaume d'organiser un coup d'État dans leur siège en 2019. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Solo Guillaume de payer des gens pour humilier le président Ouattara. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Solo Guillaume de sabrer du champagne quand Ahmed Bakayoko est mort. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Solo Guillaume de chanter toute sa joie quand un de nos hélicos est tombé avec des militaires qui sont morts. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Solo Guillaume de se retrouver au Mali et d'aider les régimes putschistes en leur convaincant que quand lui va venir, il va chasser Ouattara. Ils n'ont qu'à mettre des moyens à sa disposition. Comme ça, quand lui va chasser Ouattara, tout ce qui s'est fait là, eux vont fermer les yeux sur les putschistes et puis ils vont faire leur truc ensemble. Maintenant, si le régime d'Abidjan estime que c'est le meilleur moment de faire les choses, mais ils auront un nouveau ami et ils vont perdre un seul partisan que je suis. Et donc, pour moi, ça ne cause pas grand dégât. Ils auront eu un nouvel ami qui est Solo Guillaume, mais en tout cas, ils vont perdre un militant qui est ma personne. Moi, c'est ce que je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi-même. Et en tout cas, je le réitère aujourd'hui, le jour que Solo Guillaume rentre en Côte d'Ivoire et qu'on dit que tout est net, net, ça veut dire que moi, mon combat finit ce jour-là. Puisque sur la toile, quand vous m'avez connu, je suis venu pour combattre le mal que Solo Guillaume voulait faire à Côte d'Ivoire. Mais à partir du moment où il va s'entendre avec ceux à qui il voulait faire du mal, pourquoi encore moi je vais venir encore le combattre ou bien essayer d'aider le régime? Ça veut dire que tout est déjà en ordre et donc on va s'asseoir pour les regarder. En tout cas, si vraiment ma maman et mon père m'ont accouché dans des conditions de dignité, je vais respecter ma parole sans hésiter. Et je vais, ce jour-là, je viendrai simplement pour dire aux éditeurs que je m'excuse, mais je vais arrêter le combat et passer à autre chose dans ma vie. Et je préfère que vous preniez ça et que vous gardiez pour que le jour que ça va se passer, personne ne soit surpris.
Inhumation de Bédier. On en sait un peu plus sur la date de l'inhumation de l'ex-dictateur ivoirien. Une source proche de la famille de l'ex-dirigeant incapable et sans idée qui aura conduit la Côte d'Ivoire dans la division ethnique, religieuse et au bord du chaos vient de dévoiler le moment de l'ultime séparation. Décédé le 1er août 2023, Henri Konan Bédier, celui-là qui n'aura jamais travaillé de sa vie et qui aura vécu des rentes de l'État ivoirien, sera conduit à sa dernière demeure le 5 mai 2024. Apprend cette info. Selon notre source, le choix de cette date n'est pas fortuite. Il correspond à la date de naissance du défunt. Henri Konan Bédier, faut-il le rappeler, est né le 5 mai 1934 à Daoukro. L'homme aurait eu 90 ans le 5 mai 2024. Président de la Côte d'Ivoire du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999, avec sa disparition, c'est une page de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui se tourne. Et donc, c'est ici que notre voyage va prendre fin. Et donc, le 5 mai 2024, nous dit-on, Bédier sera enterré. Mais Bédier, même là aussi, il faut le rappeler. C'est que beaucoup sont dans l'hypocrisie et n'ont pas le courage de s'assumer. L'héritage politique de Félix Houphouët-Boigny, celui qui l'a détruit, s'appelle Henri Konan Bédier. Houphouët avait dit, je préfère le désordre à l'instant. Il avait dit quelque chose, je préfère le désordre, l'injustice au désordre. Ça veut dire, je préfère que les gens ne soient pas contents, mais au moins là, qu'il y ait la paix là, et la sérénité là, je préfère ça. Mais quand lui, il est venu, Bédier, il a préféré le désordre et l'injustice. Non seulement il a préféré le désordre parce qu'il n'a rien fait pour les Ivoiriens, il a même détruit tout le grand travail en disant qu'il y a des pluies de milliards qui tombaient. Lui et sa famille, ils ont privé les Ivoiriens, ils ont mis les Ivoiriens dans la difficulté, ils ont mis les Ivoiriens dans le désarroi économiquement parlant, mais ils sont allés plus loin dans les injustices en catégorisant les populations ivoiriennes. Allez prendre son livre « Les chemins de sa vie » et vous comprendrez combien de fois il avait dit que nous, les gens du sud-ouest, nous sommes des danseurs, que les gens du nord sont des esclaves éternels. Et au nom de cette politique-là, Bédier, avec des idéologues de la mort, ont divisé, ont humilié toute une partie de la Côte d'Ivoire qu'on avait mis au banc d'animaux. Et les gens voudraient qu'on oublie cette histoire-là. Telle que tu as vécu, on va raconter ta vie comme ça. Dites-moi un seul fait glorieux de Bédier. Il y a ça aussi qui est là. Dans le tribunal de l'histoire, il n'y a pas de pitié. On peut ne pas vouloir dire ce que tu as été, mais cela ne va pas effacer les faits qui ont été. Et donc, là, mieux vaut dire ce qui a été. Parce que demain, là, les gens vont réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, et comme si ces faits-là n'ont pas existé. Et donc, nous, on va le dire pour que l'histoire se souvienne que ça a été. On a attrapé des Ivoiriens du Nord ici. On les attachait comme des animaux les uns aux autres. Bédier faisait rentrer l'armée de Côte d'Ivoire dans les mosquées les vendredis, humilier les Ivoiriens du Nord de la Côte d'Ivoire. Volontairement, ils ont assimilé les gens du Nord, ceux qui ont des villages, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un peut être plus Ivoirien qu'un Ivoirien qui te dit « je m'en vais dans mon village » Mais Bédier sciemment les a mélangés aux étrangers pour les maltraiter pendant tout son régime. Bédier a chassé les fonctionnaires du nord de la Côte d'Ivoire. Bédier a créé les conditions du désordre et de l'injustice en Côte d'Ivoire et il a poussé cela à son paroxysme. Bédier a fait tuer des journalistes du journal Tassouman parce que ces gens-là essayaient de donner leur opinion. Bédier a fait tout ça. Et il ne pensait pas qu'un jour il allait mourir. Et comme Dieu est le plus grand, Dieu a attendu le 1er mai pour l'arracher fatalement à la vie. Et quand j'en vois certains qui disent « Non, il faut aller doucement, on ne frappe pas un cadavre. » Moi, j'ai dit « Moi, je chie sur le cadavre de Bédier et je pisse dans sa bouche. Et je ne vais jamais lui pardonner. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je ne serai pas un hypocrite. Le mal qu'il a fait, il va le payer. Et que Dieu lui fasse payer. Les vies qu'il a fait détruire, il va payer ça. Et aussi, il faut qu'on rappelle que c'est quelqu'un qui a mis la Côte d'Ivoire à genoux, en lambeaux, lui avec les Tidjantiam, avec leur soi-disant éléphant pervers de l'Afrique,
un éléphant qui était plus chétif qu'un chat et dont on n'aura jamais vu la couleur. C'est encore eux. Bédier, ce qu'on retiendra de lui, c'est qu'il a été le diviseur exponentiel de la Côte d'Ivoire. Il aura été celui même qui a créé les germes même du désordre en Côte d'Ivoire. La guerre civile que vous avez vue, l'arrivée calamiteuse de Laurent Gbagbo au pouvoir et tout ce que vous avez connu, c'est Henri Konan Bédier. Il a laissé un héritage de la honte. Il a laissé un héritage lourd, un héritage humiliant derrière lui. C'est ce qu'on va retenir. Et donc, chers Ivoiriens, est-ce que vous souhaiteriez avoir un politicien comme Henri Konan Bédier? Si vous pouvez dire oui, ça veut dire que son héritage aura été bon. Mais vous-même, de vous à moi, vous connaissez la réponse. Et donc, mesdames et messieurs, c'est là que nous allons nous arrêter. Et comme nous devons aller au boulot, vous me permettrez de faire lire l'édito de Mère Blanc. Et quand on aura fini avec cet édito, on va vous permettre de pouvoir rapidement poser des questions ou bien de faire peut-être, de donner vos avis et on va pouvoir progresser rapidement. Et donc, on écoute ici l'édito de Mère Blanc avant de vous laisser la parole. Bonjour Éclaireur Provérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Provérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre, bah alors, une des plaies de l'Afrique dite démocratique est son incapacité à tropicaliser ses instances politiques. Dites, si le président Houphouët-Boigny, après 10 ans au pouvoir, avait été bouté hors du fauteuil présidentiel, que serait devenue la Côte d'Ivoire dirigé par un successeur comme Gbagbo Laurent? Oui, la brièveté au pouvoir d'un président de la République peut être nocive à la stabilité économique et politique de la nation. C'est pourquoi, plutôt que d'imposer qu'un mandat renouvelable une fois, la liberté devrait être donnée au peuple, seul décideur de son avenir. Oui, il est temps que l'on laisse au peuple la liberté de désigner autant de fois que possible l'homme qu'il juge capable de lui assurer stabilité sociale et économique. Voilà aussi d'où est partie l'escalade de putsch qu'a connu certains pays de l'Afrique noire, ceux qui se font appeler l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Eux qui, après avoir violé les accords de la CEDEAO et de l'UMOA, se constituent aujourd'hui en victimes, poussant la mauvaise foi à son paroxysme. Pourquoi les dirigeants putschistes du Mali, du Niger et du Burkina annoncent leur retrait de la CEDEAO sans délai et tardent à en faire autant concernant l'UMOA, sachant que l'un et l'autre leur assurent une intégralité économique et monétaire régionale et un libre échange de la libre circulation de leurs ressortissants et de leurs biens. Nous attendons de voir la mise en place de leur monnaie commune et l'achat d'un bras de l'océan Atlantique pendant qu'on y est. Non mais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Merci et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup chère mère, merci pour tout ce que vous venez de dire. C'est finalement l'hôpital qui se moque véritablement de la charité. Parce que depuis quand a-t-on vu le pauvre se moquer de celui qui lui donne à manger? Mais malheureusement aujourd'hui, avec l'inversion des paradigmes, c'est la bêtise aujourd'hui qui se moque de la bonne moralité. C'est la misère aujourd'hui qui se fout de la richesse. C'est le développement aujourd'hui qui est moqué par le sous-développement. C'est les ignorants aujourd'hui qui se moquent des intellectuels et des savants. Malheureusement, cette promotion d'un certain monde à l'envers est une tristesse. Parce que l'homme africain lui-même, comme disait Nicolas Sarkozy, ne veut pas s'assumer en rentrant dans l'histoire. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Quelque chose peut ne pas nous plaire, mais quand c'est la vérité, c'est la vérité. Nous-mêmes, les Africains, on n'est pas capable de nous assumer. Alassane Ouattara que vous voyez là, si Laurent Gbagbo travaillait comme lui, là, il serait difficile pour un esprit cartésien censé de venir dire qu'il faut quitter le pouvoir. Alassane Ouattara, qui est là, s'il divisait le peuple comme de la manière Laurent Gbagbo fait, là, dès demain, nous, on rentre en conflit avec lui. Pour qu'on dise à un dirigeant de quitter, il faudra d'abord que l'Occident lui-même nous dise que ces modèles-là ne sont pas chez eux. Est-ce qu'il n'y a pas le modèle de la royauté en Angleterre?
En Allemagne, est-ce qu'Angela Merkel n'a pas fait au-delà de ses mandats? Est-ce qu'aux États, on a tellement cité les exemples. Vladimir Poutine sera à son cinquième mandat en ce moment-là. Et donc, en réalité, de quoi est-ce que nous parlons? On parle de l'efficacité et de la capacité d'un dirigeant à répondre aux besoins de son peuple. Et tant qu'un dirigeant peut répondre aux besoins de son peuple, faut-il le rejeter? Et ceux qui nous encouragent à rejeter ces dirigeants-là, dites-nous pourquoi vous voulez qu'on laisse quelque chose qui nous apporte notre bien. C'est que notre bien ne vous plaît pas. Et donc, chers Africains, si les intellectuels africains refusent de s'assumer pour essayer de se confronter idéologiquement avec les soi-disant penseurs qui sont des mercenaires intellectuels occidentaux, ça sera la possibilité à nous autres Africains de nous confronter à la réalité du terrain. Malheureusement, ce qui arrive au Burkina, au Mali, la France ne semble pas avoir pris conscience de la réalité. Et elle attend de voir la version ivoirienne. Mais cette version ivoirienne, c'est nous autres qui allons la lui accorder. Ah oui, chère France, souvenez-vous, en novembre 2004, quand vous nous avez menti sur le terrain et que vous aviez dit que vous n'aviez pas les avions, au nom de cette seule haine, on est prêt à vous affronter cette fois-ci et à directement faire sentir à la France que là où les intellectuels ont failli, où la France est restée dans la politique du double jeu, nous allons la lui faire propre et profondément, de sorte que tout va rentrer pour une fois clairement dans les oreilles de la France, qui va se décider à appliquer une politique de responsabilité vis-à-vis des pays africains. En tout cas, en octobre 2025, et ça sera exactement le 26 octobre 2025. Ah oui, le 26 octobre 2025, la France n'aura pas, le 26 octobre 2025, la France n'aura pas le temps de dire « Nous vous demandons de discuter et de négocier. » Parce qu'on ne permettra pas cela. Et oui, même s'il faut s'attaquer aux intérêts français, nous le ferons. Chers mères, merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On est pris déjà par le temps. Tous ceux qui veulent se signaler, signalez-vous. On va vous prendre. Signalez-vous rapidement. On a la 6e minute jusqu'à la 11e minute. Si vous voulez la parole, signalez-vous. On ne fera pas d'exception. Et maintenant, puisque moi-même, je dois aller au travail dans pratiquement une heure du temps, on va aussi demander à tous ceux qui veulent prendre la parole d'être très efficaces. Et donc, en attendant que les uns et les autres appellent, on va aller rapidement avec déjà les premières personnes qui appellent. Allô? Oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Oui. Oui, ça va. Oui, ça va. Ok. Et la famille va bien? La famille va très bien. Et de votre côté? Oui, ça va. Dieu merci. Que Dieu nous protège. Ok, merci beaucoup. Ok, donc on vous laisse la parole. Ok, bonjour grand frère, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Mm-hmm. Merci de me donner la parole. Il n'y a pas de problème. Ok, moi je vais aller sur trois thèmes, mm-hmm. mais je vais aller très rapidement. Mm-hmm. Je vais aller de façon concise. Mm-hmm. Mon premier thème, c'est concernant, comment on appelle ça, les différentes, ce que j'appelle les récupérations politiques. Ok? J'aimerais dire aux Ivoiriens, aux militants du RHDP, aux militants du RDR, j'aimerais vous dire, ne vous laissez pas avoir. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a deux types d'hommes politiques. Il y a des hommes politiques qui sont prêts à affronter les problèmes réels de l'eau, courant, maison, route, école. Il y a des hommes politiques, leurs préoccupations là, c'est ça. Ça, c'est le président, ça, Alassane Dramane Ouattara. Et son équipe. Il y a un autre type de politiciens en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils sont, là en train de profiter des petits problèmes pour aller chercher vos sentiments. Faites attention. Les politiciens qui vont chercher vos sentiments là, c'est des gens qui n'ont rien à vous proposer. Il y a des gens qui veulent vous ramener en arrière. C'est des beaux parleurs. Ils sont allés casser qu'on appelle ça le GESCO là. Les gens de FPI, PDCI, ils ont commencé à récupérer ça. On les a vus hier en train de défiler à GESCO là-bas pour faire croire comme si eux compatissent avec la population. Le président, il a libéré certaines personnes hier. Il a fait une grâce. Ils vont venir encore pour venir dire. Vous avez vu, non?
C'est des gens qui vous ont fait du mal. Le président les a relâchés comme si le président ne pensait pas à vous. Chers parents, faites attention. Le président lui a dit on n'a qu'à lui faire confiance. Et quelqu'un, quand il parle, c'est quelqu'un, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, ce qu'il dit, comme on le connaît, il fait. Le président dit on n'a qu'à lui faire confiance. Peu importe ce que les gens vont venir vous raconter, pour mélanger vos têtes là, pour aller chercher vos sentiments là, ne tombez pas dans le piège. Regardez plutôt ce que le président a accompli jusqu'à présent. Et ne rentrez pas dans le piège des gens qui vont venir vous manipuler. C'est eux-mêmes qui ont dit on n'a qu'à libérer certaines personnes. Le président l'a fait. C'est les mêmes encore qui vont venir vous dire que le président se fout de vous parce qu'il n'a pas pensé au fait que ceux-là vous ont fait du mal. Non, faites confiance au président. Sachez à qui vous avez affaire. Vous avez affaire au président. Et quand il parle, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Je vais dire aux gens de la fessie. Hein. Vous avez des gens de la fessie. Vous dites que vous voulez partir faire sitting devant le district parce qu'ils ont cassé une école à GESCO. Hey, propriétaire de l'école là, est-ce qu'il ne savait pas qu'on allait casser l'école là ou bien? C'est-à-dire que vous vous levez, vous faites parler à des gens qui vous ont même pas envoyé. Qui vous a envoyé même? Les propriétaires de l'école là, est-ce qu'il sait ou pas qu'on devait casser l'école là? Depuis 2000, depuis 2020, depuis 2021, il sait. Ah, mais s'il a pris l'argent avec les parents d'élèves, pour faire inscrire les élèves là, puis ils sont venus passer, casser l'école là. Mais c'est lui qui n'a pas dit la vérité aux parents. Allez-y, vous en prenez à lui. Il savait. Il y a combien d'écoles à Abidjan? C'est ça, jusqu'au moment, il y a école. Il y a combien d'écoles à Abidjan? Donc, arrêtez ça. Le président est en train de travailler. Le COVID est en train d'aller de l'avant. Vos manigances là, pour profiter, pour aller chercher le sentiment des gens. Allez chercher le sentiment des gens là. C'est un programme politique ça. Allez chercher le sentiment des gens. Qu'est-ce que vous allez donner aux gens? C'est de ça qu'on en a besoin. Donc, s'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Chers militants, soyez tranquilles. Ne vous laissez plus manipuler par ces gens qui cherchent à chercher vos sentiments, qui n'ont rien de concret à vous proposer. Donc, ça, c'est ce que j'aimerais dire sur ce premier point. Deuxième point, rapidement, j'aimerais revenir à Ibrahima Traoré. Allô, Burkina Faso, nous, vraiment, ne découragez à vous la quoi. C'est pas la peine. Moi, j'avais. C'est-à-dire que notre Burkina Faso, Bouyana Katimi. Pourquoi? Parce que Burkina Faso, quand elle est Tigimolo, Burkina Faso, Nabi Okuma, avait mis une fois à vous le Kela. Lui a fait mentir Burkina Faso. Mais depuis Tréfla, là, depuis Tréfla, depuis Wadi Doni, Ibrahim a travaillé. Bekaka, lui a fait à vous le Mais Aïs Signibé, Kafle. Ibrahim a travaillé avec Adami Babé. Quand il est venu à la Djadis, quel est-ce qu'il est? Djadis ou quel est? A Rokaï, 6 mois d'amant. A Sanjour, il est venu. A Kamouneke. A Kopila Kanyawa. A Kafoye, il a Kamike. Est-ce qu'à Kanya Falou Nyawa? A Kamouneke. Fouille. Mais Abou Toué, quand il faut que Burkina problème de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ni problème pour le Burkina de Kambi, Burkina Faso Kambi, quand que Côte d'Ivoire non le bain. Comment est-ce que le président de ce Kassigi, qu'a 8 à fort, qu'a fait que non, Côte d'Ivoire te sont qu'a dominé la terre à l'Ouroufei. Alors que tu as dominé le Côte d'Ivoire, tu as Burkina Faso qui n'est pas. Comment est-ce que le président Ibrahim Traoré, 8 à fort là, 8 à fort là, avant fort que non, Côte d'Ivoire qu'a grand tigé Mali là. Mais allô Burkina Faso, Aïs Kinbe, Aïnabe Ibrahim Traoré, qu'a 8 à fort. Alassane Draman Ouattara, qu'a morfa ça, qu'a dit Ibrahim Traoré, ma, qu'a été djihadiste ou quel est. Est-ce avec son akoufo, wa? A te son akoufo. Alassane Draman Ouattara, moi tchama de pola Burkina Faso, qu'a doko d'ivoire, bouna fanferola. Alassane Draman Ouattara, qu'a war bo, qu'a bon lo, qu'a bonake Burkina Faso, blaola, ni malion. Ibrahim Traoré va falloir y avoir. Ibrahim Traoré, Timsen, Blakoro Dolebe, Aurora Sandjumano, Alou Chokoroba Nounou, Alou Mbe, depuis Sandjuru Jure, Aïkalam, Mibé Burkina Faso, Alou Kou, Alou Kalama, Blakoro Dolebe,
quand on est pétien, alors il y a fait, est-ce qu'il y a qu'à faire? Est-ce qu'il y a qu'à faire? Non, mais franchement, moi je suis déçu de vous les Burkinabés, de pays des hommes intègres. Vous êtes venus de pays des hommes idiots. Non, mais franchement, je suis déçu de vous. Votre courage que vous aviez, le courage que vous avez eu pour chasser Rock, le courage que vous avez eu pour chasser Damiba, ce courage-là, il est où? Il est parti où aujourd'hui? Non, mais franchement, quelqu'un qui ment devant vous tous, vous êtes assis, vous le regardez. Non, mais franchement, je suis déçu. Et je profite de l'occasion pour rappeler à nos chefs d'État africains, et ça, je le dis tout le temps, ces poutistes-là, ils ne sont pas en train de s'amuser. Ils sont tout le temps en train de réfléchir comment ils vont vous faire mal. Ok. Est-ce que vous pouvez raccourcir parce qu'il y a le temps du boulot aussi. Ok, grand frère, voilà. Okay, c'est bon. Donc, je vais arrêter pour ici. Il n'y a pas de voilà. problème. Donc, vraiment, merci beaucoup. La prochaine fois, on va compléter. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Vraiment, merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Ok, merci. Je vous en prie. Et donc, chers auditeurs, moi, je dois aller au boulot dans pratiquement une heure. Et on va demander aux uns aux autres d'être très efficaces et de laisser la parole. Les jours où on a le temps, on va vous permettre d'aller plus longuement. Mais aujourd'hui, on n'a vraiment pas le temps. Et donc, à ceux à qui on va donner la peine, ne dépassez pas les 5, maximum 10 minutes. Sinon, ça jouera sur mon temps. Donc, vraiment, merci à tous. Et on va donc continuer rapidement. Allô? Oui, allô, bonjour mon frère. Bonjour cher frère, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Je vais excellemment bien. Ok, je vais commencer d'abord par vous remercier. Mm-hmm. Et remercier tous ceux qui participent. Mm-hmm. Moi je suis tout le temps. Mm-hmm. Voilà, même si je ne participe pas beaucoup, mais je suis tout le temps. Mm-hmm. Vous avez des questions à poser? Oui. Ok, on peut aller directement aux questions. Oui, oui. D'accord, ma première question, c'est que j'ai écouté tout à l'heure votre édito sur Guillaume Soro. Mm-hmm. Et cet individu-là, comment on peut gérer sa situation? Parce que vous avez dit que le jour où il rentre, tout le monde sait que Guillaume Soro est un rancunier. Mm-hmm. Le jour où il rentre, vous arrêtez, vous nous abandonnez. Je ne suis pas d'accord. Mm-hmm. Mais comment, selon vous, on doit gérer ce cas? Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut le neutraliser, c'est tout. Avec les moyens de l'État, c'est tout. Quand un individu ne jure que par la violence, est-ce que Soro Guillaume, lui, sa seule vie est plus importante que la vie de tous les Ivoiriens? Voilà la question qui se pose. Et donc là, on parle en termes d'efficacité. De la même manière qu'Alassane Ouattara a été efficace pour construire les ponts, les routes, on doit neutraliser cet individu. C'est tout. Un État ne peut pas être incapable face à un individu qui est en train de narguer tout un peuple. À un certain moment, il faut qu'il soit un détail sur lequel nous passons pour pouvoir continuer. D'accord. Ma deuxième question, c'était au niveau du Burkina. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cet individu s'acharne sur la Côte d'Ivoire. Il s'acharne sur la Côte d'Ivoire simplement parce que actuellement, tout ce qu'il a dit, il n'a pas pu le faire. Et ils ont compris que depuis l'arrestation des 49 soldats ivoiriens, pourquoi le Ghana a chassé des 250 Burkinabés, ça n'a pas posé de problème? Pourquoi le Ghana leur a dit, vous êtes en train d'accueillir Wagner en face? Ils n'ont pas réagi. Mais ce que les Ivoiriens ne disent pas, ce que les autorités ivoiriennes ne font pas, on les accuse par anticipation. Ça veut dire qu'ils ont vu en la Côte d'Ivoire le ventre mou que tout le monde peut attaquer pour essayer de faire oublier leurs problèmes. Actuellement, les Burkinabés sont en train de crier la famine. Il y a eu des marches où les gens disent on a faim. Actuellement, je vous parle, il y a des régions du Burkina, les gens fuient par insécurité. Il y a des villages qui ont disparu. Et donc, les promesses de 6 mois pour mettre fin au djihadisme n'ont pas été une réalité. Ils ont même empiré le cas des Burkinabés. Aujourd'hui, les gens sont obligés de se disperser dans la région ouest africaine. Et où ils vont en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont trouvé en face d'eux des dirigeants qui sont sensibles, qui sont humains. Vous pensez que ce qu'ils font là, si c'était Laurent Gbagbo, ils allaient le faire? Jamais. Et donc là, ils savent pourquoi ils font ça, parce que Alassane Ouattara leur pardonne. Mais jusqu'à quand le peuple va être tolérant et patient, il faudra que le président aussi fasse très attention à ce côté-là. Parce que là où on est aujourd'hui, nous, notre souhait, c'est que nous, on cherche un argument.
Moi, je prie Dieu pour qu'on dise, voilà, ils ont rapatrié des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mes chers frères, moi, je vais sortir ici pour dire aux Ivoiriens, prenez vos responsabilités. Chassez tous les Burkinabés. Tu as papier, on va les mettre tous à la frontière. Et l'État sera obligé de combattre les populations. Et ça sera la fin du régime de la San Ouattara. Ça, il faudrait qu'on soit clair. Il y a certaines choses-là, eux peuvent pardonner. Mais nous, en tant que peuple, on a aussi notre dignité. Et eux ne peuvent pas décider de nous, nos limites. Alassane Ouattara se connaît. Il sait ce qu'il peut pardonner. Mais nous, on sait aussi où nous, on peut pardonner et ce qu'on ne peut pas pardonner. Et quand on va arriver à ce point-là, si le régime d'Abidjan ne fait pas attention, il aura à gérer plusieurs situations à la fois. Et ça va être un imbroglio et un mélange pas possible dans ses mains. Et donc, le mieux actuellement, là, c'est de prendre des solutions fortes. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Compte tenu du temps. Mm-hmm. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez posé toutes vos questions? Oui, oui, j'ai posé toutes mes questions. Il n'y a pas de problème. Donc, on vous dit vraiment merci beaucoup. Mm-hmm. Et on vous souhaite une excellente soirée. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Parce que plus on fera pourrir cette situation, plus ça va donner à ces ignorants-là l'impression qu'ils sont forts. Et donc, ça ne fera que les encourager à dépasser les limites de l'acceptable. Et ça sera à cause de l'attitude tolérante du président Alassane Ouattara. Mais les conséquences, ce sont les populations, c'est nous qui allons les vivre. À un certain moment, on ne va pas prendre notre vie pour jouer de la loterie avec. Ça, il faudrait que les uns et les autres se mettent en tête. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, cher frère. Comment allez-vous? Bonjour, chef. Oui, comment allez-vous? Je serai toute la classe. Mm-hmm. Je serai bref et concis. Mm-hmm. Je demande pour Prado. Je demande au vieux. On n'a pas autre choix, c'est lui. Après lui, c'est lui. Après lui, c'est lui. Mais comme le vieux est imprévisible, on ne peut pas le maîtriser. Il est imprévisible. S'il savait qu'il doit quitter le pouvoir, on n'a pas autre choix. Le choix qu'on lui impose là, c'est Tene Ibrahim Ouattara. C'est TBO, il n'y a pas deux choix. Commencez à remuer mes bases. C'est le vieux ou rien, il n'y a pas autre choix. Mais comme c'est un vieux imprévisible, s'il doit quitter ce pouvoir là, vous êtes là-bas. Une personne, il n'y a pas deux personnes, c'est TBO. TBO ou rien. Le silencieux ou rien. Le silencieux TBO ou rien. Et ça va s'imposer aux militants. Merci. Bonsoir à tous. Merci infiniment. Merci, cher frère, pour ce que vous avez dit. Et en tout cas, sur cette plateforme, moi, je n'ai jamais caché ma position. Si au pire des cas, le président Ouattara dit que lui, il est fatigué, mais en tout cas, de toutes les façons, je vous assure, Alassane Ouattara est notre candidat en 2025. Et donc, ce qu'on est en train de dire, ça ne concerne pas 2025. Ça sera ténébrement Ouattara. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais en tout cas, nous, on préfère aller toujours avec des gens qu'on connaît. Ça, au moins, là, ça peut rassurer. Et au moins, c'est un choix de raison. Et chers frères, et je suis entièrement aligné à ça. Sinon, les menus frétins que tu vois en train de s'exhiber pour faire des calculs, là, il faut les laisser dans leurs calculs. Au bon moment, on va dire à chacun son vrai nom. Au vrai moment, là, on va dire à chacun son vrai nom. Et en grand caractère et sans état d'âme. C'est de cela qu'il est question. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Je vous en prie. Allô? Allô? Oui,
Oui, alors. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Je souhaitais vous dire Bon, que. Oui. moi, je vais intervenir rapidement. Il n'y a Ça va vous durer. Il y a pas En de fait, problème. c'est que c'est tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on veut la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Mais vouloir la paix à tout prix aussi, ça met la vie de tout le monde en danger. Et c'est ce que le président est en train de faire. Parce qu'il n'est pas le seul membre de la CEDEAO. Il y a le Ghana, il y a le Nigeria, il y a plusieurs pays. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est la Côte d'Ivoire qui est accusée. Parce que c'est bandit. Et lui, tout le temps, il est là en train de les accueillir. Les gars, ils mélangent chez eux. Et après leur ressortissant, ils rentrent chez nous. Et ils ne rentrent pas par nombre de centaines, c'est des millions, millions. On a combien de Maliens en Côte d'Ivoire? Plus de 8 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas 5 millions. Bon, j'entends les gens toujours dire 5 millions. Au moment de quand ils avaient pris nos 49 soldats, là, il y a un de leurs représentants qui a dit qu'ils sont 8 millions. C'est-à-dire ceux qui sont déclarés les clandestins, quand tu mets tout ensemble, ça fait 8 millions. Ce n'est pas 5 millions. Sans compter les Burkinabés. Et si vous vous rappelez, quand on a eu le problème avec les Ghanéens, on a pu contenir ce problème-là rapidement. Mais pourquoi pour les Maliens, là, on n'a pas pu faire ça? Parce qu'ils ont vu tout de suite que ça va être plus dangereux. Et mais si ça se passe comme ça, là, si ça continue comme ça, là, qu'est-ce qui a amené ça? C'est cette histoire de vouloir la paix à tout prix. Donc le président essaie de se réveiller un peu sur ce côté-là. Parce que ça commence à énerver les gens. Et quand ça énerve comme ça, après, si le peuple même doit prendre ses responsabilités, et maintenant, il ne va pas pouvoir faire quelque chose encore. Parce que ça va se mélanger. Parce que tout ce qui se passe là, les Maliens et les Burkinabés, ils ne sont pas là pour... En fait, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils cherchent une occasion pour frapper, c'est tout. Mais ce n'est pas parce que le président ne comprend pas dans tout ça. Pourquoi créer un camp de réfugiés même à Kapolo? Ça sert à quoi, ça? Ça, c'est le budget, tu vois, prendre des gens qui ne nous aiment pas. À chaque fois, eux, ils voient des choses un peu en haut, mais ils ne veulent pas regarder terre à terre. Ce n'est pas que le gouvernement burkinabé ou malien qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Non, mais même le peuple même est dedans. Le peuple même est dedans. Mais qui se réveille, s'il mélange chez eux, n'a pas resté chez eux. Et c'est la Côte d'Ivoire, celui qui est pays d'accueil. S'ils ne veulent pas la paix, ils peuvent rentrer au Ghana. Si le Ghana les chasse, ils peuvent aller au Nigeria, ils peuvent aller ailleurs. Mais il ne faut pas qu'ils viennent nous envahir. Moi, c'est ce que j'avais à dire, quoi, parce que ça m'énerve maintenant, finalement. Je n'aime pas sa façon de gouverner. Et il travaille bien, mais il est en train de nous mélanger. Et ça commence à exacerber le peuple, et le peuple commence à perdre patience. Et ça, il faudrait qu'on le dise au président Alassane Ouattara. À chaque fois, quand on parle, non, ce sont les dirigeants. Je vois les gens, à chaque fois qu'ils interviennent, nos cadres, quel cadre? Il n'y a pas de conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Les cadres, quand ils font des décisions, quand ils font le truc pour énerver le peuple, pour narguer le peuple, là. Après, il n'y a pas de conseil de ministres. Le président n'est pas au courant de ça, il ne regarde pas la télé. Ou bien il n'entend pas tout ce qu'on dit, là. Lui n'entend pas ça. Arrivé à un moment là, il faut qu'on parle à celui qui a la tête. Même quand on dit qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, mais il y a un ministre de la justice, non? Ce ministre de la justice, il va pas au conseil des ministres. Le président n'est pas au courant de tout ça. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, c'est toujours lui, ses militants qui doivent perdre? Parce qu'aujourd'hui, si on parle de paix en Côte d'Ivoire, c'est parce que lui, ses militants, ils encaissent tout. Mais si on agissait comme le Goy et le Soroïsme, aujourd'hui, le pays était gâté. Mais qui a fait ça? C'est parce qu'il n'a pas commencé par la justice. S'il venait qu'il accentuait sur les lois, tout le monde allait rester comme ces injustes qu'on voit sur les réseaux sociaux pour aller prendre plein. Mais il n'a pas commencé par ça. En fait, de trop tolérer, pour finir, tu nous emmènes dans la poubelle. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce que j'avais à dire. Et je suis entièrement d'accord avec vous, cher frère. Okay. Ah oui. Et un jour arrivera, le peuple risque de prendre ses responsabilités. Et je vois, il y a quelqu'un qui... Mais ça, on est en train de partir. Parce qu'on ne peut pas toujours regarder Ben Traoré, un bandit comme ça, en train de toujours nous énerver. Parce qu'en insultant le président, c'est tout le peuple ivoirien qui est en train d'insulter. Effectivement. Effectivement. Voilà. Donc, qui prenne ses responsabilités. C'est vrai, on veut le développement, mais on ne veut pas aussi la foutaise qui suit. OK. Vraiment, merci. Merci infiniment. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et ce que vous avez dit, moi, je partage votre avis et j'assume pleinement autant que vous. Merci. Je vous en prie. Allô? Bonjour, chère maman. Comment allez-vous? Oui, ça va. Bonjour, éclaireur. Bonjour à tout le monde. Je sortais juste pour dire merci pour tout ce que vous faites. Et que grâce à vous, nous sommes une famille. Je tenais à vous dire merci.
parce que j'ai été malade et j'ai vu que tout le monde m'a appelé pour me souhaiter bonne guérison. Et c'est grâce à vous. Et je sentais aujourd'hui pour vous dire merci. Et que je suis rentré en Angleterre. Je sentais pour vous dire ça. Et encore, j'avais une question à vous demander. Et hier, j'ai entendu que le président gracie des gens. Et il y a des gens de Sorodium dedans. Sachant que Sorodium est en train de faire beaucoup de choses pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Pourquoi il a libéré le monsieur de Sorodium? Est-ce qu'on n'est pas en danger? Non, cher maire. Ces individus-là, si on a pu les avoir, les mettre en prison, c'est parce qu'on les a maîtrisés dans le mal qu'ils voulaient faire. Sinon, si on n'avait pas réussi à les prendre là, c'est eux qui seraient au pouvoir actuellement. Tout à fait. Et c'est parce qu'on a eu pitié d'eux. Et cher maire, je connais les conditions dans lesquelles on les a libérés. Je suis pas encore rentré dans les détails. D'accord. Peut-être quand la situation va évoluer, les gens ne savent pas qui pilote ce dossier-là. Moi, je sais. Et ce que je peux vous dire, ce n'est pas un plaisantin qui est devant. Et de la manière dont ils sont sortis là, ils sont même plus en prison aujourd'hui que hier. Ce n'est pas ce qui nous inquiète. D'accord. Et donc, je peux vous dire d'être plus que sereine. Si capacité de nuisance ils en ont, beaucoup n'auront pas la chance d'aller en prison une deuxième fois. D'accord. Soyez sereins et attendons de voir la suite des événements. Vous voyez qu'aujourd'hui, je suis sur les nerfs. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Il y a des choses, on va rentrer dans une phase où il n'y aura plus d'amusement. D'accord. Et donc là, tout ce que je peux vous dire, restez sereine. Des individus ne peuvent pas inquiéter indéfiniment la Côte d'Ivoire et puis ça va rester impuni. On va mettre fin définitivement à ce problème-là. Soit c'est Soro Guillaume avec sa bande qui vont prendre le pouvoir et puis ils vont nous montrer ce qu'ils peuvent faire. Ou bien ça sera ce régime-là, mais on sera obligé de changer notre manière pour que les choses aillent dans le sens où ça va arranger tout le monde. Parce qu'à un certain moment, quand c'est trop, il faut être capable de dire, on en a marre. On ne peut pas accepter aujourd'hui que Soro Guillaume soit à l'extérieur, en train de financer des Burkinabés, des Maliens, pour se foutre de la dignité des Ivoiriens. À un certain moment, il faut qu'on rappelle au président de la République que chacun de nous, là, on a aussi une dignité. Et que le trop grand pardon qui ne sert pas, mais qui encourage le malfaiteur, là, à un certain moment, il faut mettre fin à ça. Et ça, on va le dire aux vieux de façon claire et nette. Parce que dans une relation humaine, là, si vous ne devez pas vous entendre, là, mieux vaut ne pas s'entendre. Mais au moins, chacun sera à l'aise d'avoir dit ce qu'il pense et d'avoir pris position clairement. Et on ne peut plus tolérer ce qui se passe. Il faudrait que le régime d'Abidjan comprenne cela et que leur position aussi change dans certaines questions pour rassurer le peuple davantage et pour que certaines situations cessent. Et donc, c'est ce que j'allais vous dire comme réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a et pas vraiment, de merci à tout le monde. Tous ceux qui m'ont dit merci, je leur dis merci. Merci, éclairé. Il n'y a pas de problème, cher maire. C'est nous qui sommes très merci. Heureux. Que Dieu renforce la santé. Amis, et amis. Dieu merci, vous êtes rentré à nouveau. Que oui. Dieu donne à chacun de nous longue vie, prospérité. Alors, et qu'il nous permette d'atteindre nos objectifs partout où on sera dans le monde. Vraiment, merci aussi à vous-même. Merci pour toute votre humanité. Merci. Et merci pour toutes les prières que vous faites pour nous. Amin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Allô? Allô, oui. Bonsoir, mon éclaireur pro-vérité. Bonsoir, maman Ouragan. Comment allez-vous? Ça va. Dieu merci. Donc, on a la pression, là. Ça va, ça va. Ça va, la famille, hein? Oui, la famille va très bien. Dieu merci. OK. Donc, bonsoir à toute la classe. Bonsoir à toutes les mères. À toutes mes mères, mes pères. Coucou, Manina Paul Kouadio, ok. Coach chinois de Poi, hein? Dieu merci, ce qui veut dire que Jackson de Poi était Shintoko. Enfin, maintenant, c'est
JESCO América, JESCO Japão, JESCO Suíça, JESCO Luxembourg, JESCO Monaco. Voilà des AES malades mentaux, des schizophrènes, des records en coup d'étatistes, mercenaires, microbes, djihadistes, terroristes qui prennent Bamako pour tout le Mali, qui prennent Niamey pour tout le Niger, qui prennent Ouagadougou pour tout le Burkina. Et fait des discours de propagande devant des populations bouche cousue, désœuvrées. Vous, les AES de JESCO, allez construire vos écoles au Burkina de Ouagadougou, au Mali de Bamako, au Niger de Niamey. Le bon français se dit sortir de la maison le matin et rentrer le soir, au lieu de dire rentrer à la maison le matin et revenir le soir. Est-ce à dire que vous êtes en réalité ce dont on pense et on pensait? C'est vous les AES, microbes, braqueurs, voleurs, saccageurs, brûleurs de bus et de voitures, les cambrioleurs, les faux papiers d'identité et d'ACD. Médiocrité le soir et vous rentrez le matin dans vos soi-disant domiciles. Au passage, Digbe volcanique appelé DJ Volcano, arrête de l'ouvrir ta gueule de colle de caca sport que tu appelles bouche là, individu en souffrance mentale là. Merci mon éclaireur, j'en ai fini. Merci infiniment, cher maire. Comme d'habitude, vous avez encore fracassé. Vraiment, merci, merci infiniment à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à tout le monde. Je vous en prie. Au revoir. Bye. Oui, bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Bonsoir, cher frère. Je vais bien. Et toi? Dieu merci. Tout va excellemment bien. Ok, Dieu merci. Okay. Je dis bonsoir à toute la classe et bonjour à tous. Vraiment, que Dieu nous garde et qu'il nous protège tous. Clairement, j'ai quelque chose. J'ai une question à poser. L'Afrique, mon Afrique. Où va l'Afrique? Sur le chemin, sur le chemin de la perdition. Dieu aime l'Afrique, mais est-ce que l'Africain aime l'Afrique? Non. Franchement, ça, souvent quand je m'assois, je réfléchis, j'ai des pincements au cœur pour ma pauvre Afrique. J'ai des pincements au cœur pour nous, Africains. Nous, tellement Dieu nous aime, c'est chez nous il y a tradition, c'est chez nous il y a le respect de l'autre, de l'aîné. C'est chez nous, en tout cas, c'est chez nous il y a beaucoup d'éducation, même c'est chez nous en Afrique. Mais quand je m'assois aujourd'hui, je regarde notre Afrique, je me demande où on va. Franchement, et ça fait peur. Et ça fait peur. Parce que moi, je me dis, l'Africain, aujourd'hui, Africain, asseyez-vous et regardez l'Afrique. L'Afrique, là, c'est le berceau de l'humanité. C'est l'Africain qui est humain. C'est l'Africain qui est accueillant. Chez l'Africain, il y a la paix. Chez l'Africain, il y a la tranquillité. Dites-moi, vous qui êtes en Occident, il y a combien parmi vous qui avez des boys à la maison? Il y a combien parmi vous qui avez des pommes à la maison? C'est en Afrique, on trouve ça. C'est en Afrique, on voit ça. La terre fertile, Dieu nous a tout donné. Mais est-ce que nous sommes prêts à aimer notre propre Afrique? Quand je regarde la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé avant-hier dans la Ayopougon, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit revivre encore? Les gens, le gouvernement est dans sa propre vérité, mais dans sa vérité, là, vous combattez. Et ça, là, on va où? Je me demande, on va où? Et ça fait peur. Et c'est vraiment, je n'ai pas menti. C'est vraiment, j'ai dit, si nous voulons que, si on veut que l'Afrique sorte de ce qu'on est aujourd'hui, là, il faut que les lois s'appliquent. Il faut une bonne justice. C'est la justice seulement qui peut envoyer la paix. Sans justice, on ne peut pas avoir de paix. Chers Africains, chère Côte d'Ivoire, j'ai aimé de voir, la fois dernière, il y a une journée qui a été faite là-bas, qu'on a dit journée afro-américaine. J'étais tellement contente. Je prie Dieu que ça l'a dû jusqu'à. Mais s'il n'y a pas de paix, si ça ne va pas chez nous, est-ce que les gens viendront visiter? Africains, si nous ne faisons pas attention, les blancs vont venir nous coloniser chez nous. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que souvent tu t'achètes et te demandes, est-ce que l'Africain même aime son Afrique?
Merci, l'éclaireur. Merci infiniment, chère mère. La question mérite d'être posée à chaque Africain. Quel est l'idéal de vie que nous voulons pour nous-mêmes et les générations à venir? Et quand on regarde les contradictions dans lesquelles nous vivons, c'est nous aujourd'hui, on crie, ah non, on a les ressources naturelles, donc on est riche. Les ressources naturelles ne rendent pas riches. Les ressources naturelles sont un prétexte qui doivent nous permettre de négocier avec le reste du monde. Nous avons les ressources naturelles, mais nous n'avons pas l'intelligence et la technologie pour les exploiter à notre faveur. Et donc, c'est un mot vain. C'est un mot vide. Il faut arrêter de trahir la conscience publique africaine en leur disant « Non, vous avez les ressources naturelles dont vous êtes riches. » C'est faux. Bon, vous avez ces ressources-là. Pourquoi vous ne vous rendez pas riche automatiquement? Or, donc, il aurait fallu l'intelligence et la technologie qui devraient venir exploiter cette richesse. Et vous refusez d'avoir cette intelligence. C'est pourquoi le reste du monde va toujours vous dépasser. Toi, l'Africain, partout où tu te trouves sur les 54 pays, quand on crée les lois, les dirigeants veulent appliquer ça sur le peuple. Et le peuple aussi, lui, veut se dérober des règles. Et donc, en Afrique, on fait les lois, c'est pour personne. Et avec ça, dans cette indiscipline-là, on veut que l'Afrique s'en sorte. Dieu lui-même n'aime pas le désordre. Oh, cher Africain, note l'ensemble des définitions qui nous convient le plus, c'est que nous sommes désordonnés. C'est que nous n'aimons pas ce qui est correct. Nous ne sommes pas sérieux envers nous-mêmes. C'est cette problématique-là que le moment est en train de poser. Ayons le courage de faire notre propre portrait. Et quand on n'est pas beau, on le dit, on n'est pas beau. Aujourd'hui, quand on dit aux dirigeants ivoiriens, quels sont les bénéfices que vous récoltez en soyant tendre avec des mécréants, des irréductibles, des inconscients, à un certain moment, en tant que peuple qui vous, c'est nous qui vous avons voté, on doit être capable de vous demander clairement de nous dire tout ce qui arrive là, votre grande facilité d'accepter la situation, est-ce qu'un jour ça ne va pas créer un désordre que vous ne pourrez pas contrôler? Parce qu'on sait ce que chacun veut. On sait, peut-être le régime dira, nous on sait ce qu'on fait, mais vous ne savez pas ce que les autres font et vous ne connaissez pas leur capacité de détermination. Vous pouvez tout dire, mais vous n'avez pas ça en main. Et donc, il ne faut pas jouer avec la vie de 30 millions d'Ivoiriens. Il ne faut pas tergiverser. Ce qui ne marchera pas, ne marchera pas. On voit des individus, Siriki Diakité ou Diabaté, il vient d'être honoré. Il vient d'être honoré simplement parce qu'il a insulté les Ivoiriens, Sidiki Diabaté. Il vient d'être décoré chevalier de l'ordre national au Mali par Assimi. Ça encore, ça doit être un exemple pour vous dire. Quelqu'un qui peut honorer quelqu'un parce qu'il a insulté la dignité des Ivoiriens étant en Côte d'Ivoire, demandez-vous si cette personne a la capacité de vous mettre à mort. C'est à ce niveau que les choses sont aujourd'hui. Et avec ça, on veut qu'on soit patient, on veut qu'on s'amuse avec notre destin et puis être devant l'inévitable et jouer les étonnés. À un certain moment, il faut que les choses soient claires dans les têtes. Ce que le gouvernement en tant qu'entité peut supporter là, le peuple peut ne pas le supporter et exploser. Et je dis bien exploser. Et ça, ce qui est arrivé à Yopougon, c'est encore un exemple du laxisme même de l'autorité. Parce qu'une autorité, ça fait combien d'années ici, on leur dit, on n'applique pas la justice en Côte d'Ivoire. Et ça fait que plus personne n'a peur. Et les gens même veulent dérober, se dérober de la loi, ruser avec l'autorité de l'État. Mais ça va nous conduire à quoi? Ça ne peut que nous conduire au désordre, tôt ou tard. Et ça, même si on aime le régime d'Abidjan, il faut leur dire, ils sont en train de faire des erreurs qui vont nous coûter cher. Ayons le courage de regarder les choses et de le dire. Ces milliers de Burkinabés aujourd'hui, la chasse aux djihadistes et aux mercenaires burkinabés, là, il ne faut pas le faire avec pitié. Normalement, on devrait renvoyer l'ambassadeur du Burkina. Normalement, il est temps
après l'humiliation qu'on a subie avec les Maliens, est-ce que nous, on est un peuple qui a été créé pour être un peuple souffre-douleur? Non, non, non. Si Alassane Ouattara a accepté que lui, on puisse déterrer sa maman, lui, Alassane Ouattara, il a Alassane Ouattara. Moi, on ne peut pas déterrer maman et puis je vais laisser. Donc là, c'est que lui, il est là. Moi, éclairé, je ne suis pas ça. Je ne parle pas pour les autres, je parle pour moi. À un certain moment là, il ne faut pas penser que tout le monde est comme toi, Alassane Ouattara. Nous commençons à perdre grandement patience. Nous commençons à perdre dans les quartiers. Chère mère, depuis avant-hier, j'ai parlé de l'affaire Soro-Guillaume, non? Avant que ça ne soit dans les journaux, non? Oui. Je ne vais pas vous dire comment j'ai fait pour savoir, mais nous, on entend beaucoup de choses. Et on voit beaucoup de choses. Le désordre que le régime d'Abidjan ne veut pas voir là, il risque de le voir là où ils ne s'attendent pas. Parce que les gens commencent à extrêmement perdre patience. Et ça, il faut qu'on soit honnête pour le leur dire. À un certain moment, si on ne s'entend pas avec le Burkina, si on ne s'entend pas avec le Mali, il faut prendre des mesures pour que ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont qu'à faire sans nous. Est-ce qu'on ne peut pas rapatrier leurs ressortissants? Les conneries qu'ils sont en train de faire là, nous, Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour être un peuple sur qui les malheureux vont venir faire les expériences de leurs conneries. Ce qu'ils ne font pas à leur peuple, pourquoi c'est nous, le peuple ivoirien, on va accepter ça? Pourquoi c'est nos militaires qui seront humiliés? Pourquoi c'est nous qui serons insultés? C'est nous, on leur a demandé de faire coup d'État. C'est nous, on leur a demandé de mettre un poutine à la tête de leur pays. C'est nous, on leur a demandé d'être sahéliens. C'est nous, on est parti voter pour eux. Mais pourquoi on va accepter les conséquences de leurs actions? Pourquoi on va venir détruire la vie de nos parents qui sont au nord en acceptant des djihadistes, des meurtriers, des malfaiteurs, des mécréants et des ingrats patentés qui ne reconnaîtront jamais ce qui a été fait? Et tout ça par la faute de ce gouvernement-là. À un certain moment, le peuple risque d'exploser et ils diront, président, on s'en fout. Et ça, ce que je suis en train de dire, vous entendez ma seule voix, mais c'est la voix aujourd'hui de plusieurs millions de partisans du pouvoir. Les Burkinabés, les Maliens, que vous êtes en train de forcer les gens à accueillir là, ces gens-là vont se réveiller contre ces populations un jour. Faisons attention. Une situation qui ne marchera pas, ne marchera pas. Il faut éviter de jouer aux équilibristes. On ne peut pas différer ce qui arrivera. S'ils ont démontré par A plus B qu'ils ne nous aiment pas, on peut tranquillement leur montrer que nous aussi on ne les aime pas et qu'on n'est pas serré d'eux. Et leur montrer qu'ils peuvent prendre la voie du Burkina, du Mali et aller faire leur révolution. Mais trop, ça n'est de trop. C'est ce que j'allais ajouter. Merci, cher frère, tu as tout dit. Vraiment, merci beaucoup. Et demain, un autre jour. Vraiment, bon jour à tous. Merci infiniment, chère mère. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine. Et que la bonté divine demeure en chacun de nous. Et comme quelqu'un disait, le Prado veut le prix Nobel de la paix. Pourtant, il ne va jamais l'avoir. Les Occidentaux sont en train de le blaguer pour créer des conflits en Côte d'Ivoire. Et puis même, s'il voulait, si le président Alassane Ouattara voulait un prix Nobel là, est-ce que nous, on est prêts à servir des sacrifices pour que lui ait son prix Nobel? Ça, nous, on n'est pas prêts pour ça. Ça, s'il faut qu'on lui dise ça. S'il veut son prix Nobel là, il n'a qu'à attendre le jour que lui-même, il sera prêt là, il va aller chercher ça seul. Mais nous, on n'est pas prêt à accepter et de servir de fagot pour qu'il ait son prix
prix Nobel. Nous, on ne va pas accepter. Bonjour, cher frère. Bonjour, cher frère Flora. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Encore une fois, merci de me donner la parole. Mmh. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur deux sujets. Le premier sujet concerne le cas Guillaume Zéro et le deuxième sujet, il concerne le cas Tidiane Thiam. Alors, vous avez eu à évoquer le cas d'un article de presse où il est dit que Guillaume Soro et le pouvoir sont en négociation. Bon, cette information, nous l'avons vue également sur la place publique. Et lorsqu'on voit l'évolution de la situation, tout laisse penser que il y a quelque chose comme ça qui est en train de se passer dans notre pays. Alors, Guillaume Soro et le pouvoir d'Abidjan qui serait en négociation. À quoi ça peut bien aboutir? Le commun des mortels peut se poser la question, qu'est-ce que ça va donner exactement comme résultat? Parce que c'est cela, hein? Et qu'est-ce que les Ivoiriens gagnent dans une telle négociation? Nous autres, nous voulons en savoir plus. Mais ce que je peux dire, quand je regarde bien la situation, tout laisse à faire croire qu'effectivement, il y a négociation. Et quand vous regardez très bien, vous pouvez aussi conclure que c'est Fort Yadema qui est le bon office, comme on dit, le médiateur dans l'affaire. On n'a pas besoin d'être magicien, hein, ou bien on n'a pas besoin d'être, je ne sais pas, un géomancien ou bien un devin pour le savoir. Mais une simple analyse peut permettre de conclure cela. Alors, à quel résultat on peut s'attendre? Et aujourd'hui, quand on analyse bien, avec ce qui vient de se passer hier, on peut aussi conclure que c'est aussi probable, sinon c'est fort probable, que Guillaume Soro puisse rentrer à l'issue de cette négociation. Ça, c'est ce qu'on peut déjà conclure du point de vue analyse. Maintenant, nous autres, nous disons quoi? Qu'est-ce que nous autres, nous faisons? Parce que il faut être assez clair parfois. Qu'est-ce qui arrange les Ivoiriens? C'est cela. Aujourd'hui, nous, où nous sommes là, nous autres, parfois, notre objectif, c'est de aussi faire pression pour ne pas que certaines décisions soient prises en la défaveur des Ivoiriens. Parce qu'en politique, ce n'est pas tout ce qui se fait en politique qui est bon. Ça aussi, il faut le dire clairement. Toutes les décisions qui se prennent en politique ne sont pas forcément les meilleures. Vous voyez? Donc, fort de cela, nous autres aujourd'hui, là, la position dans laquelle nous sommes, c'est de faire pression pour ne même pas même qu'on dise qu'il y a négociation entre Guillaume et le pouvoir. Parce que nous savons, si jamais Guillaume y rentre, l'individu machiavélique le connaissant, il ne va jamais mettre fin à ses pratiques. C'est quelqu'un, vous l'avez dit, il n'a jamais pardonné. Il n'a jamais été en mesure
de poser des actes qui sont bons. L'homme est toujours allé dans tous les sens et il fait ce qu'il veut. Ça, tout le monde sait. Aujourd'hui, quand vous voyez des gens comme le bouffon de El Hadj Traoré Mamadou qui a allé titrer encore que il peut avoir une alliance entre les partis de Guillaume et le RADP. Mais cette alliance, elle va aboutir à quoi? Un parti politique qui n'a même pas été en mesure de réunir, je ne sais même pas si c'est, on va dire 0,05% de l'électorat. Ils ont combien d'élus là? À part le maire de Ferke, moi, je ne vois vraiment plus quelqu'un qui est proche d'eux. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il y a mieux à faire que d'entreprendre une négociation avec Guillaume. Fort et Adema qui est venu, il faut qu'il dise la vérité à Guillaume. Guillaume Soro, il faut qu'il s'éloigne de la politique ivoirienne. Maintenant, s'il ne veut pas là, on l'a bien dit, on n'empêche pas quelqu'un de rentrer. Hein. Les routes sont libres, Guillaume peut rentrer. Mais Guillaume peut rentrer, il n'a pas besoin de négocier son retour. Négociation, il n'a pas besoin. Qu'il rentre, c'est tout. Qu'il rentre et qu'il fasse ce qu'il veut. Donc, sur ce plan, nous autres, tout ce que nous faisons, c'est de demander au président Alassane Ouattara de ne même pas se fatiguer. S'il veut négocier, bon, on regarde, je ne sais pas moi, un conseiller très 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 loin du président là-bas, on lui dit, bon, il faut recueillir ce que Guillaume dit, et puis on met sur un papier, le papier, et puis on envoie, c'est tout, ça s'arrête là. Le reste là, on veut plus, on veut pas de détails. Les détails, nous n'en voulons pas. Le président de la République, il est trop important pour redescendre vers un individu notoire de ce genre. Un bandit de grand chemin, criminel notoire comme ça. Je pense qu'il faut s'en méfier. Donc nous demandons avec insistance au président de la République, ceux qui viennent vers lui avec un tel dossier, de dire à ces gens-là, vraiment, il y a beaucoup à faire. Allez-y, peut-être recueillir ses avis et puis vous mettez sur un papier, vous gardez, vous analysez pour vous-même. Le reste ne nous intéresse pas. Nous n'avons pas besoin que Guillaume rentre au pays à travers une négociation et qu'il peut rentrer. Guillaume est libre de faire ce qu'il fait, ce qu'il veut plutôt. Il a tout essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas aujourd'hui en venant se rapprocher que... Ça ne va rien donner. De toute façon, ça ne donnera rien. Ce n'est pas nécessaire que le président se fatigue pour cela. Il faut que le président pense au développement de la Côte d'Ivoire. Vraiment qu'il nous épargne de ce voyou-là. Parce que nous avons trop souffert pour cela. On ne va pas s'amuser à dire qu'on veut négocier avec un criminel et il va se comporter comme un enfant gâté. Il n'a pas besoin de négocier pour rentrer. Les routes sont libres. S'il prend un billet d'avion, Guillaume, il peut rentrer à Abidjan. On n'a pas besoin. Donc vraiment, ce deal-là ou bien cette négociation, nous demandons avec insistance au président de la République de mettre fin à ça et de penser à autre chose. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, il concerne Tidiane Thiam. Éclaireur, est-ce que vous êtes informé que Tidiane Thiam, il a introduit un courrier auprès du président de la République pour demander une audience? Est-ce que vous avez connaissance de ce courrier? Il y a trois semaines, j'ai parlé de ça ici, j'ai détaillé tout. D'accord. Il y a trois semaines, j'ai parlé de cela. Je ne sais pas s'il y a des élèves qui s'en souviennent, mais j'ai parlé déjà de cela. Ok. Il a introduit le courrier, il dit qu'il veut voir le président de la République. Il n'y a pas de problème. Les dialogues politiques, il y en aura. Mais moi, j'ai longuement réfléchi sur la question. Et comme par hasard, avant-hier, lorsque j'étais en train d'enregistrer l'audio, je voulais parler de ça et puis ça m'a échappé. Aujourd'hui, il y a des éléments nouveaux qui me sont venus en tête. J'ai réfléchi longuement sur la situation et je vais parler de cela aujourd'hui. Voyez-vous, Tidiane Thiam, il est venu en Côte d'Ivoire, c'est un déstabilisateur.
Ce n'est pas un enfant de cœur. Vous avez vu ce qu'il a fait au PDC RDA. Même pour les obsèques de feu, Henri Konan Bédié, il a écarté Thierry Tano, qui est beaucoup plus proche d'Henri Konan Bédié. Il a écarté l'organisation. Aujourd'hui, il introduit un courrier. Il veut voir le président de la République. C'est pourquoi. Moi, je sais déjà ce pourquoi. Mais ce que nous allons dire, l'individu en question, il cherche en ce moment à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et sa stratégie, comme je l'ai déjà dit, avant-hier, j'ai parlé d'une stratégie qui consistait à corrompre ou bien à dire aux gens de le rejoindre ou bien à soutirer des informations, c'est l'une des stratégies. Il y a autre stratégie. Qu'est-ce qu'il cherche à faire exactement? La CEI, Tidiane Thiam s'est donné pour feuille de route de déstabiliser la CEI, la Commission électorale indépendante, ou bien de vraiment faire un tapage médiatique dans le monde pour dénigrer la CEI. Voilà la feuille de route. Vous avez vu avant-hier, il est sorti, il a dit quoi? Il a dit que la Côte d'Ivoire a 30 millions d'habitants. De façon plus exacte, la Côte d'Ivoire a 29 389 150 habitants. Ça, c'est ce que les chiffres donnent sur Google. Maintenant, le taux d'étrangers, on parle de 22%. Mais certains aussi, hein, ça varie, certains pourraient parler de jusqu'à 30%. Donc les 22% représentent un peu plus de 6 millions et quelques. Maintenant, si on va à 30%, ça peut aller dans 8 à 10 millions à peu près. 9 millions, voire 10 millions. Si le taux d'étrangers est 30%. Alors, lui, Tidiane Thiam, selon lui, comme il y a 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, donc on devait avoir sur la liste électorale, d'après ses calculs, on devait avoir 12 millions sur la liste électorale. Parce que selon lui, d'après les experts internationaux, d'après lui, hein, que le nombre d'électeurs, ça représente 40% de la population. Curieusement, monsieur qui a travaillé en banque et qui manipule les chiffres depuis très longtemps, ne sait pas qu'il y a au moins 22 millions d'habitants. Non, je ne sais pas 22 millions. Il y a 22% d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a travaillé dans les banques. Lui, il a été ministre du plan et du développement. Il a été DG du PNR. Mais lui ne sait pas qu'il y a au moins 22% d'étrangers en Côte d'Ivoire. Mais si on prend 30% d'étrangers, on aura à peu près 10 millions. L'homme ne sait pas cela. Bon, prenons les chiffres qui sont sur Google, c'est-à-dire que 22% d'étrangers en Côte d'Ivoire. En ce moment, quand on enlève les 22%, le nombre d'habitants que nous avons, c'est de 22 923 537. C'est le nombre d'habitants que nous avons en ce moment. Si on veut appliquer les 40% aux 22 900 000, ça va donner quoi? 22 900 000. Alors, bon, ça va aller autour de 9 millions. 9 millions. Voilà. Donc, même si on s'en tient au chiffre que lui, il a donné là, c'est-à-dire en ce moment, le nombre d'électeurs, même passé, même les chiffres de 22% d'étrangers, d'autres disent que c'est 30%. Si on va dans 30%, effectivement, avec les 30%, on va se situer à une histoire de 8 millions d'électeurs au plus. Donc, ce qui correspond à la réalité. Et lui, il a dit que les 8 millions d'électeurs, selon lui, là, selon Tidiane Thiam, ce n'est pas la réalité, mais c'est plutôt 12 millions qui doit être la réalité, selon lui. Et que tant qu'on ne va pas avoir les 12 millions d'électeurs sur la liste électorale, là, l'élection ne sera jamais transparente. Voilà comment le monsieur réfléchit. Et il ne sait même pas aussi qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à aller s'enrôler sur la liste électorale. Quelqu'un qui a été ministre du plan et du développement dans ce pays, la Côte d'Ivoire, ne sait pas que le fait d'aller voter là, on ne peut pas obliger quelqu'un pour ça.
Un citoyen peut avoir sa carte d'identité, les papiers, mais il peut décider, je ne m'enrôle pas. Tu ne peux pas l'obliger. Lui ne sait pas ça. Et tant que, selon lui, on ne va pas avoir les 12 millions, il ne peut pas avoir élection transparente. Mais on va avoir les 12 millions. Je vous ai dit, il y a 29 millions et quelques. Si on applique les 22%, hein, on se retrouve à au plus 23 millions de nationaux. Maintenant, si on prend les 40%, on se retrouve à peu près à 9 millions d'électeurs. Maintenant, sur les fichiers électoraux, aujourd'hui, on est à peu près autour de 8 millions. Voilà. En supposant qu'il y a une partie qui ne veut pas aller le faire. Vous voyez? Mais mieux, si on applique les 30% de taux d'étrangers, qui est encore plus réel, parce que c'est ce qui est la réalité. En réalité, les 8 millions représentent la réalité du nombre des électeurs. Mais lui, il trouve que les 8 millions... Comment on va avoir les 12 millions d'intérêts? On ne peut pas, sachant très bien qu'il y a un 22%, 30%. On ne peut pas. Et ça, il va prendre ça pour faire fonds de commerce. D'après lui, il va aller à l'ONU, il va aller à la CEDEAO, il va aller à l'Union européenne, il va aller à l'Union africaine. Bon, il est libre, il peut parcourir les chancelleries, il n'y a pas de problème. Et ne vous y méprenez pas, il va demander la dissolution de la CEI. Parce que le jour où il a été élu, c'est ce qui est sorti de leur discours. Que, un, ils vont demander la dissolution de la CEI, ils vont demander les choses, la révision du fichier électoral. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, s'il introduit un courrier auprès du chef de l'État, il y a deux choses. Demande d'audience là, soit c'est le sujet politique ou bien c'est les obsèques d'Henri Konan Bédié. Les choses sont très simples pour nous. Le dialogue, il y aura le dialogue. La négociation, il y aura la négociation. Le fait d'introduire un courrier, c'est une bonne chose. Le président de la République va répondre. Mais maintenant, si le président de la République répond, qu'est-ce qu'il doit faire? Oui, c'est en cela que je vais en venir. Tidiane Thiam n'est pas le président légitime même du PDC-RDA. Ça, c'est un. Tidiane Thiam, là, vouloir se comparer à son excellence, M. Assane Ouattara, le président de la République, c'est la plus grande injure. Tidiane Thiam, qui a mis en faillite Crédit Suisse et qui est un brigand à col blanc, n'a pas de leçons à donner au dernier des Ivoiriens. Fort de cela, il ne doit pas se comparer au président de la République. Monsieur le président de la République, vous avez reçu le courrier de Tidiane Thiam, c'est assez simple. L'objet du courrier, c'est soit le volet politique ou bien c'est obsèque d'Henri Konan Bédié. En ce qui concerne le volet politique, les choses sont simples. Monsieur le président de la République, conduisez tout simplement Tidiane Thiam vers le général Vagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Tout ce qui est sujet politique, monsieur le président, conduisez tout simplement Tidiane Thiam ou bien. C'est, je ne sais pas, tout ce qui est sujet politique. Tidiane Thiam, il sera reçu par le général Vagondo, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Arrivé là-bas, il aura tout le temps de dire ce qu'il veut. Il aura tout le temps de montrer ses griefs et ses récriminations. En tout cas, tout ce qu'il a comme revendication, il est assez libre. Il peut déposer ça sur la table du général Vagondo. Nous demandons avec insistance au président de la République en ce qui concerne le dossier politique de le conduire vers le général Vagondo. C'est le général Vagondo qui est mieux placé pour le recevoir. Maintenant, concernant les obsèques de Henri Konan Bédié, Tidiane Thiam n'est pas un élément de la famille biologique d'Henri Konan Bédié. Il le fait en tant que président du PDC-RD. Concernant les obsèques, monsieur le président de la République, conduisez Tidiane Thiam vers le premier ministre Robert Begré Mambé, arrivé là-bas, et tout ce qu'il veut que l'État fasse pour Henri Konan Bédié, il va exposer devant Robert Begré Mambé et le premier ministre se chargera de faire ce qu'il faut. Maintenant, en ce qui concerne les obsèques d'Henri Konan Bédié, monsieur le président de la République, comme Bédié lui-même, il est ancien chef d'État, le président de la République, en voulant s'impliquer dans les obsèques d'Henri Konan Bédié, le président de la République doit s'adresser tout simplement à la famille biologique d'Henri Konan Bédié. Voici comment nous autres nous voyons les choses. Donc, en ce moment,
le président de la République, il peut éventuellement recevoir la famille biologique d'Henri Konan Bédié pour organiser les obsèques. Et ce que l'État peut faire ou veut faire pour Henri Konan Bédié en ce qui concerne ses obsèques, le président va donner à la famille biologique d'Henri Konan Bédié. Donc voici comment nous voyons les choses. En tout état de cause, nous insistons pour dire que le dialogue y aura, pour dire que le président de la République donnera suite au courrier de Tidiane Thiam, mais nous demandons avec insistance au président de la République de ne pas recevoir directement Tidiane Thiam, de le faire à travers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le Premier ministre. Comme cela, les choses seront plus claires parce que, monsieur le président de la République, vous n'êtes pas les camarades de Tidiane Thiam. Ah oui, ça, il faut qu'on le précise. Nous ne voulons pas que vous donniez de la valeur à cet individu-là, qui est très méchant. Okay. S'il a le courage d'écarter Thierry Tano, ben, il n'y a pas de problème. Qu'il fasse ce qu'il veut, mais dans tous les cas, des figures, ce que nous voyons, c'est ce que nous venons de dire. Et après analyse, je suis arrivé à la conclusion que c'est la meilleure formule en ce moment. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Ok. Et donc on va aller rapidement, vu que moi-même je suis déjà pris par le temps, mais je vais faire un peu un dialogue avec toi. Il y a combien d'habitants en Côte d'Ivoire en 2023? Sunyata est là? Je suis là. Il y a combien d'habitants? 29 300 000. Ok. Il y a combien d'étrangers, selon le chiffre le plus bas, le pourcentage le plus bas? On parle de 22%, mais c'est plus... Non. N'allez pas dans les détails. Prenez le chiffre le plus bas. Les 22%. Les 22%, là, ça représente combien de personnes dans les 29 millions? Les 22%, ça représente plus de 6 millions. OK. Donc, faisons 29 moins, 20, moins 6. Il reste 23 millions, n'est-ce pas? Mm-hmm. OK. Maintenant, posons la question simple. Quel est le taux de jeunes en Côte d'Ivoire? Le taux de jeunes en Côte d'Ivoire, selon l'article que j'ai en face de moi, oui. En 2020, la population ivoirienne était estimée à 26 millions. Les adolescents et les jeunes, dont l'âge varie entre 10 et 24 ans, représentaient 33% de la population, soit 8 643 000 personnes. Aujourd'hui, oui. Mettons ça à 9 millions. Il faut enlever ça dans le restant qui reste. On avait fait 29 moins 6, il restait 23. Il faut faire maintenant encore 23 moins 9. Il reste combien? 23 moins 9, là, il reste 16. OK. Maintenant, dans les 16, là... Non, ce n'est pas 16, c'est 14 plutôt. OK, 14. C'est un exemple qu'on prend comme ça rapidement. Maintenant, dans ça, quand on a parlé des jeunes, ils sont partis à partir de l'âge de 5 ans. Et donc, entre 0 et 4 ans, essayons d'estimer cela à 4 millions. Finalement, est-ce qu'on ne se retrouve pas au chiffre de 8 millions? En sachant qu'encore, il y a des Ivoiriens qui décident volontairement de ne pas voter. Prenons-la à 2 millions. Vous voyez qu'on se retrouve effectivement avec le chiffre qui est proche de 8 millions. Effectivement. Mais la réalité, c'est que le monsieur, ce n'est pas... Il veut faire du vuvuzela. Il veut s'attirer d'abord... Il veut laver d'abord son image politique pour être au même niveau qu'Alassane Ouattara. C'est ça, son premier objectif. Deuxièmement, le 5 mai, comme ils doivent enterrer le Bédié, il veut aller négocier pour avoir de l'argent pour le faire. Et troisièmement, comme lui-même il le dit dans certaines de ses causeries, il va utiliser Joseph Biden, le président des États-Unis, et Emmanuel Macron pour faire pression sur le président Ouattara pour faire changer la liste électorale. Nous attendons et nous regardons et nous allons voir ce que demain nous réserve. C'est tout ce qu'on peut dire. Vraiment, merci beaucoup. Ah, vraiment, lui, il est fort, hein. Lui, il peut aller utiliser jusqu'à des présidents du monde pour faire pression. Il n'y a pas de problème, on le regarde. Quand un éléphant dit qu'il peut porter une petite culotte, on lui dit qu'il n'y a pas de problème, on attend de voir. Quand quelqu'un dit qu'il va faire quelque chose, on attend de voir jusqu'où la personne ira. Et donc, vraiment, merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Merci bien, excellente soirée. Je vous en prie.
Allô? Allô? Bonjour, cher Oui. frère, comment allez-vous? Je vais bien, et de votre côté? Dieu merci, tout va très bien. Ah. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, rapidement, comme j'ai contaminé la discute, il n'y a plus de temps. La plus est vraiment révoltée par rapport aux étrangers qui sont au pays. Et elle a son mot à dire. Comme tu as dit que chacun doit dire ce qu'il doit dire, alors elle peut Effectivement, parler, quoi. il n'y a pas de problème, avec plaisir. Ok, Julien. Allô? Bonjour, cher maire, comment allez-vous? Dieu fait grâce. Ok, Dieu. Amen, amen, amen. Toute la classe. Merci beaucoup, cher maire. Vraiment, je dis que j'ai mon mot à dire. La dernière fois, j'ai regardé, j'ai vu l'information. Vous êtes loin du, vous êtes loin, vous êtes loin du micro. Vous êtes loin du micro. On a des difficultés à entendre. Oui, attends, elle verrait. Non, elle est à côté. Ok. Puisque vous, on arrive à vous entendre, mais elle, on n'arrive pas à entendre. Allô? Oui, allô? Vous pouvez parler. Je disais la dernière fois, j'ai vu l'information. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. J'ai vu l'information où il y a 200 étrangers qui sont venus vers Mankono. À Mouessola. Et j'ai voulu informer mon grand frère que ce n'était pas juste. Il m'a dit non, vous voulez des informations correctes. Et aujourd'hui, j'étais là et j'ai entendu et je lui ai dit, tu as entendu. Et vraiment, je voulais dire ma part de vérité dans cette histoire. Depuis nous existons, c'est au sud-ouest qu'on voit beaucoup les Burkinabés, les Maliens. Au nord, vers le vers Boundiali, vers Mankono, vers Séguéla, vers Koroko, ils ne sont pas aussi beaucoup que ça. Et nous sommes dans un moment où nous sommes, nous avons été beaucoup frustrés par des gens qui ont les mêmes âges que nous et qui sont plus petits même que nous. Et on peut accepter le pardon, mais on ne peut pas être plus sentimental que Dieu lui-même. Nous, on prend le temps pour prier pour le président, le gouvernement, la Côte d'Ivoire, dans le secret. Moi, je prie dans le secret, je ne suis pas connu. Mais ça, même qu'ils sachent que nous sommes des êtres, nous n'avons qu'une chair. Actuellement, nous sommes dans un moment, on ne veut plus, en tout cas, les anciens qui sont là-bas, on ne leur fait rien, on ne dit rien pour les anciens. Mais les nouveaux qui sont venus à Mankono, que cette parole, ce message va jusqu'au gouvernement, au président de la République, il n'est pas retourné. Nous avons les mêmes âges que les Assimil et les Ibrahim. Si c'est la paix, Dieu, nous ne pouvons pas être ce paix de Dieu. Que cette parole arrive jusqu'au président. Si la neuf, c'est pas dans cette génération nouvelle, on va venir former un village de Burkinabé ou bien de Malien au nord, du tout à Mankolé, nous refusons. Il faut qu'on les fasse retourner chez eux. C'est ce que j'avais à dire. Parce que vraiment, on peut accepter des pardons. Je dirais même, je vais dire quelque chose. Soro, quel que soit, il est mauvais, il est ivoirien. Eux, ils sont ivoiriens, mais nous ne pouvons plus accepter que ceux qui sont venus nouvellement s'installer en Côte d'Ivoire soient des étrangers dans ces moments. Non, nous, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous avons trop jusqu'à aux dents. Vraiment, nous n'avons pas de rancune contre quelqu'un. Nous sommes un peuple d'amour. Nous sommes un peuple d'hospitalité. Mais que trop, c'est trop. Que le président et son gouvernement sachent que les ceux qui viennent nouvellement ici, au moment où nous ne voulons pas, ils n'ont qu'à retourner chez eux. C'est ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup. Et depuis la dernière fois. Amen. Amen. Merci beaucoup, chère mère. Et depuis longtemps, quand on a su l'affaire, on a demandé, j'ai même posté un message pour demander aux chefs traditionnels de prendre leurs responsabilités. Si ces gens s'installent, ça sera avec la complicité des populations aussi. Les populations doivent les dégager, ne pas du tout les accepter. Il faut qu'ils retournent là où ils sont venus. Parce que trop, ça n'est de trop. Trop, ça n'est de trop. Et ces gens, tôt ou tard, vous savez, vont se révolter contre. Et leur vrai visage, ils vont détruire les populations qui vont les accueillir. Et donc, à quoi est-ce qu'un tel bien va servir? Regardez aujourd'hui le comportement de ceux qui sont là déjà. Regardez le comportement de ceux qui sont à l'extérieur. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu la force nécessaire qu'ils désirent. Et vous voulez qu'on s'étonne de ce que ces gens-là, des méfaits qu'ils vont causer un jour aux Ivoiriens, je crois qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche pour se blaguer soi-même.
Vraiment, chère mère, votre voix en ce jour encore vient rappeler cela à tout le monde, la nécessité de ne pas différer notre malheur et de l'agrandir davantage. Et les dirigeants doivent écouter ce que le peuple dit. Nous ne sommes pas le peuple, nous ne sommes qu'une constituante du peuple, mais nous avons la chance d'écouter des milliers de personnes et de savoir ce que le peuple pense. Et j'allais rappeler ceci à nos dirigeants. Et je convoque le livre de Machiavel, le prince, pour dire que aux puissants de ce monde qui pensent connaître le peuple comme le bout de leurs doigts, le peuple lui-même aussi n'ignore absolument rien du dirigeant. C'est par ces paroles-là que je vais m'arrêter et je vais vous demander de faire les prières pour fermer et aussi faire la conclusion, chère mère. Ok. Allô? Père, merci pour ta grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'élevons. Nous prenons maintenant, nous prions le Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes ces places. Je prie toi à tous et tous ceux qui sont inclus au Seigneur dans ce langage présent. Que l'Éternel ait la main puissante sur eux. Nous prions encore pour le président de la République. Que la main de grâce de l'Éternel soit sur lui. Que la sagesse, l'intelligence, la connaissance et tous les caractères de l'Éternel soient déversés en lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous élevons la voix encore pour maman, pour Dominique, Seigneur. Là où elle a été attachée, là où elle a été minée, que la main puissante de l'Éternel, la main qui n'est pas touche, qui touche, qui écrit, la touche et la délivre de tout ce qui ne glorifie pas son nom et que la grâce de l'Éternel l'environne. Nous prions aussi pour toute la Côte d'Ivoire, pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire, pour tous les serviteurs et les servantes de la Côte d'Ivoire, depuis les frontières, depuis les quatre coins du monde, depuis les eaux, la mer de la Côte d'Ivoire, depuis l'abîme de la Côte d'Ivoire, depuis la forêt de la Côte d'Ivoire, depuis l'Orient, depuis l'Occident, depuis le milieu et le Nord, que l'esprit des quatre coins souffle maintenant, un vent puissant, un vent glorieux, enfin, de glorifier son nom dans la Côte d'Ivoire. Je prie que le Père de l'Éternel, depuis Esaïe 27, verset 1, temps maintenant sur la Côte d'Ivoire, que tous ceux qui sont infiltrés en Côte d'Ivoire par la puissance de l'Éternel, par la puissance de toi de l'Éternel, fassent un déclenchement possible dans le nom de Jésus. Je prie encore que du nord au sud, dans l'est à l'ouest, que tous les enfants de l'Éternel, tout sacrifice qui avait été fait sur la Côte d'Ivoire pendant des décennies, sur le parc de la Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait des disunions, des disunies, nous prions maintenant. En fait, que l'Éternel unisse maintenant tous les enfants véritables de la Côte d'Ivoire. Que l'Éternel en son corps en grandisse son amour dans notre cœur. Merci, Père, de couvrir la Côte d'Ivoire depuis la frontière pour le peuple et tous les habitants de la Côte d'Ivoire. De nous couvrir tout puissant de l'agneau. De nous couvrir de la présence du Saint-Esprit. De nous couvrir de la mer de l'Éternel. De le parapluie de l'Éternel nous couvre. Merci, Père, parce que Dieu. Merci pour ce moment. Éclaire que l'Éternel te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te sécurise, que ta protection sur toi, que la sagesse de l'Éternel se déverse sur toi, que l'intelligence, sa connaissance et toute sa grâce se déverse sur toi et ta famille. Que l'Éternel protège tout ce qui sont dans cette place. Merci et je fais toutes tes prières dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. Merci infiniment, chère mère, que Dieu accepte tous nos efforts et qu'il nous guide sur le droit chemin. Merci infiniment à vous. Que Dieu protège toute la famille et toutes celles qui sont avec nous ici. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Excellent vendredi à chacun et que la bonté divine nous couvre. Merci beaucoup. Merci.